Les amis, nous y sommes, nous sommes en live du coup sur Naruto Shinobi Striker, on est sur PlayStation 4 et on va continuer eh bien, de faire des combats en multijoueur en espérant avoir un peu plus de chance que hier parce que malheureusement sur le live de hier, on prenait que des grosses défaites. Mais aujourd'hui on s'est un peu amélioré, on a monté un petit peu notre niveau puisque vous le voyez on est niveau 25, on a changé aussi un petit peu légèrement la tenue de notre personnage et on va essayer de mieux faire normalement. Eh bien nous sommes en live, ouais c'est bon, salut Marie, bah tu es la première arrivante ce soir Marie, salut à toi. Salut Sango, salut Trion, salut Adam, salut Rain, Anes, Natsu, Louis, Kevin, Adam, Loulou, Baron, Parisiano, Hiro 31, etc., etc. Et du coup, eh bien, bonsoir à vous et bienvenue sur ce petit live, comme je l'ai dit, où nous allons jouer à Naruto Shinobi Striker. J'allais dire Naruto Shippuden, mais non, il s'appelle Naruto... Je crois que c'est Naruto tout Boruto Shinobi Striker. Je crois que c'est ça, le titre exact, mais bon, il est trop compliqué, donc on va se contenter de dire Naruto Shinobi Striker. Je pense que ça ira déjà très bien. Tu as la voix grave. Ah bon, j'ai la voix grave? Comment ça, j'ai la... C'est quoi cette voix? Ah bon, il y a un problème? Ah, il y a un problème de voix? C'est quoi ce délire? Là quoi? Ah bon? Ah merde, attendez, bougez pas. C'est quoi ce problème? Genre, il y a un problème. Ah, c'est quoi le délire encore? J'ai rien fait moi. Ta voix a été modifiée. Ah bon? Ta voix a mué. Ah bon? Attends, j'ai strictement rien touché pourtant. Et je ne vois pas du tout d'où ça peut venir. Attends, je vais essayer d'écouter le retour. J'entends. En fait, j'ai même pas le son sur le retour. C'est quoi ce délire? Moi, j'ai pas de son en fait sur le retour. C'est quoi ce délire? Ah, attends, on est où là? Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est un troll? Il a raison. Ah ouais? Ma voix est bizarre. Mais elle est bizarre dans quel sens? Je comprends pas. Attendez, je vais débrancher le micro. Merci à Spectre pour l'abonnement. En fait, j'ai même pas le son sur le retour. C'est vraiment chelou. Sur le télécoute. Ouais, attends, je vais écouter sur le téléphone. Attendez, je vais écouter sur le téléphone. C'est vraiment bizarre, hein. Ça fera un début de live particulier, écoute, hein. Clonefish, MDR. Ah, mais moi, j'ai rien touché, j'ai pas Clonefish, hein. Je l'ai supprimé, ce truc de mon ordi. Ça fera un début de live particulier, écoute, hein. Clonefish, MDR. Ah, mais moi, j'ai rien touché, j'ai pas Clonefish. Ouah, c'est dégueulasse, j'avoue. C'est quoi ce délire? Ouah, c'est dégueulasse de ouf. Ah, c'est quoi ce délire? Est-ce que là c'est... Ah non, attends. Je crois que j'ai compris, gros. Je suis pas sûr, mais je crois avoir trouvé le petit problème. Je suis pas sûr, attendez. Hein. Bougez pas, on va faire un petit réglage ici. Flux audio. Périphérique, micro. Imaginons, je le désactive. Je réactive ici. Est-ce que là c'est pareil ou pas? Dites-moi si c'est pareil ou pas, je sais pas du tout. Attends, je vais voir, je vais écouter. C'est pareil. Oh, c'est quoi ce problème encore là? C'est quoi ce délire? Attends, est-ce que là on a déjà... Là je crois qu'on a réglé le problème, je crois que j'ai trouvé. Filtre, propriété avancée, je vais augmenter, je vais un peu amplifier. Micro 2, on va mettre 60. On n'entend plus. Ah bon? Oh, vous entendez pas ma voix, putain, c'est quoi ce délire encore? Est-ce que là vous m'entendez mieux là cette fois-ci? Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est bon, parfait, ok, ouais, bah, désolé. Désolé du coup, hein, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pas du tout compris, alors attendez, je règle tout ça là, juste. C'est quoi ce délire encore, hein? Hop, bougez pas, hein, j'en ai pour quelques petites secondes. Bah, on va faire ça, hop. T'auras la rediffusion. Eh bien écoute, je ne sais pas du tout, mais... ouais non, je sais pas pourquoi ma voix a été modifiée, franchement j'en ai aucune idée. J'ai tout simplement débranché le micro, rebranché, ça refait la même chose. J'ai redébranché, rebranché et...
Et la voix est redevenue par miracle correcte, je sais pas. En fait, c'est comme s'il prenait deux fois la voix de mon micro et il a superposé. Ok, ça marche, nickel. Ben, merci à vous pour les retours, hein. Merci à vous et ben, du coup, bonsoir, hein, bonsoir à tout le monde. Et Marie, t'es la première ce soir, hein, donc GG à toi au passage, hein, GG à toi. Tu t'es amélioré. Comment ça, je me suis amélioré sur le jeu? Ouais, on s'est carrément amélioré. Donc du coup, je disais, pendant que la voix a bugué du coup, ce soir on se fait un petit live sur Naruto Shinobi Striker. Comme je l'ai précisé dans le titre du live, on va aller faire un petit peu de multijoueur. Pourquoi pas de la mission coopération aussi à la rigueur, si on peut avancer, si on peut en trouver des nouvelles. Et essayer de débloquer quelques techniques. Je crois qu'en maître actuel j'ai Gaara et je vais aller changer ça de suite. Parce que là je joue avec le mode défenseur. Et je sais que Mitsuki dans le jeu est un type défenseur. Donc j'aimerais bien éventuellement... débloquer ses techniques. Gaara, on aura l'occasion de rejouer avec lui un peu plus tard. Moi, je veux Mitsuki. Voilà, parce que Mitsuki, c'est mon poteau. Le jeu est bien. Eh bien, écoute, le jeu dans l'ensemble est pas dégueu, ouais, clairement. J'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. On peut jouer sur Xbox à Naruto. Ouais, carrément, ouais, VGado, tu peux jouer à Naruto sur Xbox. Il est sorti sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Par contre, si t'es encore sur 360... ou même si vous êtes sur PlayStation 3, ça ne sera pas possible. Bah, Prince Manga, si tu comptes jouer solo au jeu, tu vas vite te faire chier. Par contre, si tu comptes jouer avec des potes, tu vas clairement kiffer. Hein. Avec des potes, tu vas kiffer le jeu. Mission d'entraînement RV débloqué. Nice, parfait, c'est ça que je recherchais en plus. Parfait, parfait. Mais bonsoir à ceux qui arrivent. Le jeu a un mode histoire. C'est pas réellement un mode histoire, mais tu peux aller faire des missions. En solo ou en coopération, donc t'as des missions solo quand même, t'en as quand même pas mal, y en a beaucoup mine de rien, mais je pense que le jeu repose plus sur l'aspect PVP que le reste, mais tu peux très très bien jouer en solo en fait au final. Ok, on va s'inscrire, on va aller faire un premier petit combat, on va baisser ici Kazekage qui s'est abonné, eh bien bienvenue à toi monsieur Kazekage, je vais mettre l'animation par ici, pouf, voilà. Peut-on jouer sans un abonnement? Ça, je ne sais pas du tout. Je crois que tu peux, parce qu'apparemment, on peut jouer en mode hors ligne. Donc, a priori, je te dirais oui. Mais il faudrait que quelqu'un d'autre puisse me le confirmer, clairement. Parce que j'ai peur de dire une petite connerie. Voilà. Il y a besoin de l'abonnement. Ouais, ben là aussi, pareil, c'est la même question, du coup. Poursuite tendue après avoir été vaincu par un Jonin de Konoha. Ouais, mais ça, je m'en fous. Ah, bon, voilà, je vais rentrer dans le... Hop. Ça marche, Shuni, à plus tard. À plus tard, à plus tard. Allez, on va aller faire du coup du classé. On va s'inscrire et donc ça sera du match à mort, hein, classique. On va essayer de... Augmente un peu le son de ton micro, s'il te plaît. Ouais, alors bougez pas. J'augmente ça de suite, hein, bougez pas. Micro, pourtant c'est bizarre, hein, je l'ai bien augmenté. Propriété, non, c'est pas dans ça, c'est dans quoi? Propriété avancée, je vais vous le mettre à... Je vais le mettre comme ça, normalement là vous avez le son du micro qui est un peu plus fort, hein. Vraiment, normalement c'est un peu mieux, quoi. Salut Extremis! Il coûte combien le jeu? Je ne sais pas du tout vu que je ne l'ai pas acheté. Je ne pourrais pas vous dire combien il coûte. Grave propre ton t-shirt Pilou. Merci. Bah il est normal quoi, c'est un t-shirt classique quoi. Il n'y a rien de... Un spécial, normalement vous le connaissez. Je l'ai déjà porté plusieurs fois celui-là. Hein. Quand même. D'ailleurs faudrait que... Bon c'est dommage que les soldes soient terminés mais faudrait que... Je retourne m'acheter 2-3 conneries. Là. On peut jouer avec toi. Eh bien, écoute, j'aimerais bien. Le problème, c'est que ma liste d'amis est quasiment pleine, voire pleine. Donc, du coup, c'est compliqué. À part si vous arrivez à rejoindre le serveur dans lequel je suis, vous pouvez rejoindre mon groupe. J'ai vu qu'il y en a, ils s'amusaient à faire ça cet après-midi. Donc, vous pouvez le faire. Mais pour trouver mon serveur, je sais pas du tout comment ça se passe. Je pourrais pas du tout vous aider. Avec nous, on a quoi? Théma, avec nous, on a des mecs qui sont niveau 50. En face, attends, en face, ils sont tous niveau 50 et nous, on est à niveau 3, niveau 28. Même pas, je l'ai fait, cette partie. Je quitte direct. C'est 100% perdu. J'ai une question sur le jeu. Tu peux avoir le Sharingan, Byakugan et Rinnegan. Alors, Sharingan, t'as des techniques que tu peux utiliser avec le Sharingan. D'ailleurs, bah, je crois qu'il y a la technique qui s'appelle Sharingan de Kakashi qui te permet en gros de faire une esquive. Après, Rinnegan ou Byakugan, ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si tu peux utiliser des techniques de ce style. Aucune idée. Lilian, j'étais avec toi. Ah mince, désolé Extremis, désolé gros. Mais là, franchement, on allait se faire rouler dessus, hein, clairement. Non, Fornax, il est sur le PC. Hein. Fornax, il est sur le PC, je suis sur la PlayStation 4, donc on peut pas réellement jouer ensemble, quoi. Oui, ils me disent, le salon est plein. Ah merde. Merde. Vous êtes combien, là, sur le live?
Ouais, vous êtes déjà un peu plus de 580, bah merci à vous, hein. Merci à vous les petits shinobi là, et puis en route pour jouer, en route pour jouer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout le jeu, hein? Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout du coup, à qui faut le présenter un minimum pour éviter d'être trop perdu? J'adore tes lunettes, merci Pietro, bien écoute, j'aime bien mes lunettes aussi, je t'avoue que j'avais du mal avec les anciennes, je commençais à complexer, ça faisait 3-4 ans que je les avais, et je commençais à avoir beaucoup de mal à les porter, donc en vrai ça fait grave plaisir d'avoir changé de lunettes. Ah ouais, il y en a plein qui connaissent pas en gros. Il y en a plein qui connaissent pas le jeu. Ok. Bon, du coup, je suppose, hein, et j'espère que vous connaissez au moins la licence Naruto. Hein, parce que si vous ne connaissez pas Naruto, ça va être très compliqué. Mais si vous connaissez Naruto, voilà, en gros, vous êtes sur un jeu où vous allez pouvoir créer votre propre ninja et le personnaliser à votre guise. Tout simplement. Et pour ça, eh bien, du coup, il va falloir jouer en multijoueur, il va falloir faire des missions coopération aussi qui vont vous permettre eh bien, de débloquer des parchemins que vous allez utiliser comme des invocations quand vous jouez, j'en sais rien, Radokan ou autre, et du coup débloquer ensuite eh bien, des tenues. Vous en pensez quoi de la tenue de mon personnage d'ailleurs? Stylé ou pas la tenue? Il t'a coûté combien? Je l'ai pas payé le jeu, je l'ai reçu. Hein. Lilian M. Poutou, pourquoi tu veux que je lise ton commentaire alors qu'il a aucun sens? Explique-moi. Pour débloquer Pain, alors il fallait soit précommander le jeu ou soit apparemment faudrait avoir Conan en maître niveau max, a priori. J'ai vu une vidéo d'un type qui disait ça, mais par contre il a dit une petite bêtise dans sa vidéo, c'est qu'il disait que pour que Boruto apparaisse, il fallait avoir Naruto en maître niveau max, pareil, et je n'ai jamais eu Naruto en maître encore. Mais un sabre. T'inquiète que j'ai... Alors d'ailleurs, il y a un truc qui est grave stylé aussi que j'ai appris sur le jeu. J'aimerais bien qu'on trouve une partie. Putain, hier ça se trouvait en 2-2, là c'est archi long. J'ai appris un petit truc aussi tout à l'heure. En fait, j'étais en train de jouer avec l'épée, c'est Sameada, je crois. C'est ça, celle de Kizame, je crois. C'est ça, elle s'appelle comme ça, Sameada, hein, si je dis pas de conneries. Je joue avec ça du coup en mode défenseur. Et par la suite, j'ai pris une espèce de faux, vous savez, l'espèce de faux que porte Idan, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, je me suis aperçu que par rapport à l'épée que tu as, eh ben, les combos changent aussi, ce ne sont pas les mêmes. Même si tu es à chaque fois sur le type défenseur, ben, suivant l'épée que tu vas prendre, les combos n'ont strictement rien à voir. Voilà. Et du coup, ben, j'aime pas du tout les combos avec Sameada, donc j'ai pas cette épée-là, j'en ai une autre, j'ai la faux de Idan, et la faux de Idan, je trouve qu'elle est carrément cool. Alors on a quoi? En face ils sont... Oh putain, avec nous un mec niveau 72. Mais si lui il a pas tué le jeu, mais c'est abusé. Hein. C'est abusé quoi. Ah ouais Ismaël, il ressemble à Tom Cruise mon perso là. Attends, la base. Tu l'as eu où ton blouson? Quel type de parchemin? Bah écoute, je l'ai débloqué là chez Tenten. Je l'ai débloqué chez Tenten ici. Je l'ai débloqué ici chez Tenten. Bah Marie, envoie-moi un message, je sais pas où c'est que tu me suis, sur Snap, Twitter ou Instagram, et je t'enverrai mon pseudo si tu veux, si tu veux faire quelques games. Y a pas de soucis. Hein. J'ai acheté le jeu sur PC propre, par contre les CBTS, quand les gens te tapent à plusieurs, la caméra part en couille. Ah les combos, ouais carrément, ouais. Non c'est vrai que quand t'as beaucoup de gens qui te tapent, c'est chaud. Hein. Y aura la rediff. Possible. Ça veut clairement rien dire le level. Ça veut rien dire, mais d'un côté, ça veut dire aussi pas mal de choses. Un mec qui est haut niveau, en général, c'est un mec qui a fait quand même pas mal de missions RV ou pas mal de multijoueurs. S'il a fait beaucoup de RV, ça veut dire qu'il a débloqué quand même pas mal de techniques sur son personnage et il va obtenir des techniques qui seront très certainement plus puissantes que celles que vous possédez actuellement. Donc, ça veut rien dire, oui, non. Par contre, je trouve pas. On va aller se faire la mission. On va commencer par une mission RV. Hein. Tu sais quoi? On va faire une mission RV, mais en ligne, en coopération. On va faire celle de Shikamaru. Je sais pas pourquoi ça trouve pas au niveau du PVP. On va commencer par ça parce que là, depuis tout à l'heure, impossible de trouver quoi que ce soit. C'est une mission de rendez. Bon, ça va. Poursuite tendue. Hein. Battez les ninjas du brouillard. Oh, allez, ça va le faire. Hein. Ça va le faire, easy. Vas-y, ça marche, Marie. Tu invoques quand sur Dokkan Battle pour les comptes abonnés? Certainement demain. Certainement demain, ouais. T'as pris le saison de passe? Non, j'ai pas pris. Je savais même pas qu'il y avait un saison de passe de disponible. Alors attendez, juste je lis un message. Yo, je viens d'arriver. Désolé, j'ai raté le début. C'est pas grave, Selma, t'inquiète. Hein. C'est pas grave.
Je viens d'arriver sur ton live, mais comment je fais pour débloquer Deidara, sinon plus un abonné? Mais alors, Shaon, merci à toi pour l'abonnement. Pour Deidara, en fait, il va falloir faire des missions RV, hein, les gens. Pensez à faire des missions RV. En gros, les missions RV pour débloquer des personnages, vous en faites une ou deux. Et puis ensuite, en fait, vous avez des personnages issus de l'univers Naruto qui débarquent dans le village. Donc là, j'ai Gaara qui est positionné ici. Il y a Boruto qui est positionné là-bas. En fait il faut les trouver, et quand tu les trouves, bah tu acceptes leur mission, tu les réalises, et ensuite t'as d'autres personnages qui arrivent, et c'est comme ça que tu les débloques. Donc là il y a Rock Lee, du coup la première mission, je crois faut parler à Tenten ou Sakura, non je crois que c'est Sakura la première mission, ensuite je sais plus qui c'est, je crois que c'est Rock Lee, ensuite t'as Gaara je crois, Gaara, Boruto, après t'as Shikamaru là-bas, il y a Shino qui est tout au fond, mais j'ai pas réalisé sa mission, donc je sais pas pourquoi il est là. Je sais pas du tout. Et puis après, voilà, il y a d'autres personnes. Ok, donc on a le groupe qui est complet en haut à gauche. On peut voir, on est 4. Ah ben, Extremis, t'as réussi à rejoindre, gros. T'as réussi à rejoindre. Ben, on va lancer la mission, hein. C'est parti, hein. Est-ce qu'on peut jouer en ligne dans la démo du jeu? Ouais, mais là, c'est pas une démo, hein. C'est le jeu complet, hein. Donc la démo, je pense pas que tu puisses y jouer. Je pense qu'elle est terminée, hein. Vraiment, hein. Je pense que la démo est finie, hein. Donc du coup, tu pourras pas jouer, hein. Oui, on peut leur reprocher, oui, le fait qu'ils aient pas assez exploité le système au niveau du village, tout ça, oui. On est d'accord, Yukio Kumura, mais bon, faut se contenter de ce que nous avons. Écoute, on fait avec, il y a déjà. En tout cas, vous êtes un peu plus de 700 sur le live. Bah écoutez, merci à vous, pensez à mettre quelques pouces bleus, ça fera toujours plaisir. Et puis si surtout vous souhaitez voir une rediffusion, voilà, faites péter ça. Attention, des ennemis vont bientôt passer dans cette forêt. J'aime bien ce système de cinématique sur l'émission RV d'ailleurs. J'ai un pote, il a peiné. Ouais, il a précommandé le jeu alors. T'as vu le match de Toulouse? Ouais, victoire 2-1, ça fait plaisir. Bon, on a souffert parce qu'on a pris un carton rouge. Mais 2-0 en 12 minutes, c'était propre quoi. Dommage, on peut pas aller plus vite dans le LOL. Ouais, bah, en fait, partie du principe où le jeu c'est un Xenoverse bis. Hein. C'est un Xenoverse version Naruto quoi. Darka qui s'est abonné, bienvenue. Ouais, vous avez vu, j'utilise voilà la faux. Je crois que c'est celle de Hidan, ça, non? À moins que je me trompe complètement. Mais en tout cas, elle est grave stylée quand tu joues en mode défenseur. Elle est archi stylée. Fait de bons dégâts. Par contre, au niveau des sorts, vu que je suis en mode défenseur, ouais, je vais peut-être baisser le son. Attendez, je vais peut-être baisser le son parce que sinon, ça va être beaucoup trop fort par rapport à ma voix. Attendez, je vais baisser le son ou augmenter le son de mon micro. Je crois que je vais baisser ici le son du jeu. Vous me dites hein, si c'est encore trop fort. Voilà, j'aime bien ce combo avec triangle là où il fait la roue comme ça. La roue elle fait trop mal. Boum. Mode distance, j'ai débloqué le Kirin. Ouah, je suis tombé dans le vide, c'est quoi ce délire? Il y a eu un bug d'un coup, ça m'a fait descendre. Il y a trois maps qui changent de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup de maps. Ah par contre, la map du village de la pluie, elle est archi stylée je trouve. Toi tu dégages. Ah, lui je le focus pas parce que... Ah là tu vois, en mode défenseur par contre mes sorts ils sont horribles. Les sorts que j'ai, là je kifferais jouer en mode distance. Ça serait beaucoup plus pratique. En fait, tout dépend des modes de jeu auxquels je joue. Et je sais que j'ai fait un mode où il fallait défendre une porte. Et le mode défenseur, il est excellent quoi. Il est excellent. Tu sais, tu mets le truc de Gaara là, tu mets ça. Et du coup, les monstres ils peuvent pas aller sur la porte. C'est archi cool. Ok, il faut aller là-bas. Bah, allons-y alors. Youhou! Battez vos ennemis. Ouais, mission nos ennemis. Oh, ils ont apparu d'un coup! En plus tu fais des dégâts de zone quand tu tapes comme ça avec le défenseur, c'est ça qui est cool aussi. Oh, je me suis fait exploser la gueule. Toi tu dégages, bam. Bon ça va, on a de la régène et tout là. Ah, on a un healer dans la team. Alors ça c'est très rare aussi de voir des healers dans une partie. Je tiens Attends, reviens toi. Reviens, reviens. Reviens frérot. Hop hop hop. Raté. Ah, j'aurais dû le lock. J'aurais dû le lock et comme ça je serais pas parti dans le vide. Ça va, j'ai réussi à défendre et du coup, boum, touché. Pain est surcheaté. Ouais, j'imagine hein, que sa répulsion céleste ou des conneries comme ça, ça doit être bien, bien abusé à mon avis. Hein. J'ai pas test, mais j'ai pas l'ombre d'un doute, hein, clairement pour ça. T'es mal, là, ils veulent venir. On va faire ça. Et là, vous faites comment les petits ennemis là pour venir? Et là, vous faites comment? Et là on vient pas là, hein? On vient pas, on tombe dans le vide, voilà. C'est pour ça que j'aime bien le mode défenseur, mais après il faut débloquer les bonnes techniques en fait. Et pour débloquer les bonnes techniques, il faut monter bah, le niveau de vos maîtres. Et il faut prendre les maîtres de type. Donc là j'ai Mitsuki à l'heure actuelle, et Mitsuki il est de type défenseur. Donc du coup je vais pouvoir débloquer ces techniques, qui j'espère sont intéressantes pour le mode défenseur. Et ensuite on partira sur un autre mode. Faudrait que je monte un peu le mode attaquant et soin aussi. Parce que le mode soin au départ, t'as des techniques, elles sont pas ouf. Hein.
Mais je crois que le mode défenseur, c'est vraiment le pire. Hein. Au départ, elles sont horribles. Comme dans le tuto, hop. Voilà. J'ai mon ultime. Par contre, l'ultime est stylé. Tu préfères Yekai ou Susucre? Ah, je préfère Lilian quand même. À choisir, je préfère Lilian. Là, je vais caler mon ultime. Boum, ça éclate un peu tout le monde. C'est plutôt stylé, ça. Par contre, ouais, d'avoir des techniques comme ça de zone, c'est plutôt stylé. Poum, poum, poum. Allez, hop. Ça dégage. Wow, j'ai volé comme ça, comme une crotte, là. Je sais pas comment j'ai touché, mais... J'ai touché, il semblerait. Ok, faut qu'on protège la zone. Bon, on va faire ça. Plus un like. Merci, César. Merci pour le like. Merci à toi, ça fait zizir. Est-ce que le son est trop fort encore du jeu comparé à ma voix ou pas, les gens? Dites-moi, hein, que vraiment, je tape le réglage. Hein. Ça me dérange pas. Hein. Ça me prend que quelques petites secondes. Ok, on a tout esquivé. Je sais pas comment ça en est sorti. Oh, il m'a mis une esquive lui aussi. C'est un peu le bordel partout, là. Hein. Je l'ai aveuglé. Ah, on l'a pas vu, mais en gros, je l'ai aveuglé avec une fumigène. Ça bug, en fait, ça bug parce qu'on est 4 du coup. Il doit y en avoir un qui a une connexion un peu scandaleuse. D'où tu me tapes comme ça, toi? T'es un peu fou, toi. On va prendre le parchemin. Ouais. Ok, attends, on va même prendre ça là, la petite fiole qui nous permet d'augmenter notre barre pour envoyer l'attaque ultime. Oui, le son est trop fort. Ah, ouais, il est trop fort. Ah, merde. Attendez, je vais le régler alors. Toi, tu m'as saoulé. Allez, hop, ça dégage. Oh là, il y a une grosse fiole. On la prend et du coup, on a de nouveau l'ultime direct. Alors, attendez. Le son est trop fort, vous m'avez dit. On va baisser un peu. Je vais le mettre à moins 30, hein, du coup. Hein. Voyons voir. Ah, dans la semaine, il y a Dragon Quest ouais, qui sort. Oh là là, j'ai tellement hâte, Dragon Quest. Apparemment, à Toulouse, ils le vendaient déjà à la Fnac, à Jean Jaurès. Ils le vendent avec une semaine d'avance presque, les types. Hein. Ils sont chauds. Hein. Mission accomplie! C'est une victoire. Baisse ta voix et monte le jeu. Mais non, Barry, ils m'ont dit que c'était le jeu qui était trop fort. Donc non, je vais pas baisser ma voix. Style l'arme de Hidan. Ouais, ouais, elle est carrément cool. T'es niveau 62 à Freda. T'as squatté le jeu. Waouh, ouais, j'ai une pointe là. Waouh, j'ai une pointe dans les côtes d'un coup. Elle fait archi mal. Je sais pas ce qui s'est passé. Waouh, ça fait mal de ouf. Comment t'as fait pour avoir l'épée? Je crois que je l'ai débloqué avec un parchemin. Vous savez, quand vous terminez des missions, en gros, vous obtenez des... Oh putain, ça fait mal de ouf. Vous obtenez des récompenses. Et du coup, avec ces récompenses, ben, vous les ouvrez, là, les petits rouleaux. Et du coup, vous obtenez des armes, des conneries comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai eu et que j'ai pu tester, justement, et comparer avec Sameada. Et je trouve que, justement, les combos de cette arme-là, de celle de Hidan, sont plus intéressants que l'autre. Trio, sage... Et rouleau de qualité. Voilà, donc là, vous avez vu, on a obtenu un rouleau de qualité. Donc, bien sûr, il y a des rouleaux qui vont vous apporter des équipements plus rares que d'autres. Donc là, rouleau de qualité, on est sur un rouleau qui est pas trop dégueulasse, quoi, clairement. Je crois que c'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus dégueulasse. Bah là, c'est bon, hein, Barry, c'est les réglages d'avant, là. Là, c'est ceux d'avant. Hein. Remets les réglages d'avant. Non, je comprends pas ce que vous dites, en fait, dans les réglages d'avant. Expertise du rouleau. Donc là, en gros, voilà, c'est là que vous avez la rareté des rouleaux. Donc les rouleaux banals, c'est les plus nuls. Ensuite, vous avez les rouleaux de qualité, rouleaux de valeur. Ésotérique. Oh putain, je connaissais même pas le mot. Ésotérique, ok, c'est la première fois que je le lis ce mot. Et rouleau de Kakashi, donc là, c'est vraiment. Là, c'est le top du top. Mais en soi, il y a des accessoires ou des tenues de rang S avec les rouleaux de Kakashi qui sont dégueulasses, hein, clairement. Donc bon, c'est juste un système de rareté, mais en vrai, vous pouvez très bien kiffer, j'en sais rien, une tenue de rang D comparée à une tenue de rang S, hein. Ça veut strictement rien dire, hein. Vraiment. Donc bon, c'est bon, ouais, c'est bon là. Le jeu Fairy Tail, il va pas tarder à sortir, hein. C'est début septembre. C'est début septembre. Donc on a rempli la mission de Shikamaru. C'est gagné. Tintin adulte, elle est sexy. Ouais, elle est mignonne, hein. J'avoue que... Shikamaru déverrouillé en maître. Nice. Il doit avoir des bonnes techniques. Je sais pas de quel type il est, Shikamaru. Donc là, par exemple, vous avez vu, j'ai terminé ma mission avec Shikamaru. Ce qui veut dire que, dans la logique, il y a un nouveau personnage qui a dû apparaître dans le village. Soit un nouveau personnage, ou soit simplement un personnage avec qui j'ai pas fait de mission RV. Donc par exemple, ça peut être Shino. Je vais aller vérifier, mais vu qu'il n'y a pas de point d'exclamation au-dessus de lui,
Normalement, il va pas me donner de mission. Bon, encore t'attends. Non, il m'a pas donné de mission. Donc, il doit y avoir peut-être un personnage à voir, je sais pas lequel, qui aura un point d'exclamation sur le crâne, à moins qu'il y ait encore une mission que je n'ai pas réalisée. Tenten, non. Sakura non plus. En Rock Lee, dans la logique, j'ai déjà fait sa mission. Ouais, Rock Lee, j'ai déjà fait sa mission. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a peut-être une mission ou deux. Ou peut-être qu'il faut que je monte en niveau. Des fois aussi, il vous faut monter un petit peu en niveau. Hein. Il faut faire un petit peu de combat PVP pour débloquer la suite. Et d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe. Si tu as que le solo et que tu fais pas de PVP, je sais pas du tout comment ça se passe. Et le jeu où il y a tous les mangas, il sort quand? C'est en 2019, ça. Hein. C'est Jump Force. Hein. C'est en 2019. Naruto! On va essayer de faire une partie multijoueur. Après, avec le personnage que j'ai en multi, ça va être dur. Hein. Clairement, j'ai pas les meilleurs jutsu pour aller en multi, mais bon. Yo Victoria! Bah, désolé, du coup, ouais, j'ai pas répondu à ton message. J'ai pas répondu à ton message, désolé. C'est un jeu PlayStation 4, le jeu Fairy Tail. Non, c'est un jeu mobile. Hein. C'est un jeu mobile. On est à 4 sur 8, on va attendre un peu. Ah, en face, niveau 97 en face et niveau 60. Et nous, on a quoi? Un mec niveau 1 et nous, on est niveau 25-36. Alors, Vec, il a joué avec moi, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'il m'a déjà rejoint. Hein. Ah, Théma en face. 60, 97, 28. Et donc, par contre, on est deux types défenseurs. Hein. J'espère que ça va s'équilibrer. Bleach, j'ai déjà regardé, Koma. Hein. T'inquiète, hein. J'ai déjà regardé. Ouais, non, mais j'ai pas rep à ton gros message où tu me parlais de Fortnite. Niveau 58. Oh là, en plus, elle est dure cette map. Hein. Terrain d'exercice du sable, elle est très très dure. Hein. Vraiment. T'as vu comment les attaques du sable? Bah, j'ai fait Gaara. En fait, j'ai débloqué l'émission RV avec Gaara, qui est par ici. Et du coup, j'ai fait. Voilà, il est juste là. Et j'ai fait ses missions. Enfin, j'ai fait ses missions. J'ai fait une mission, j'ai monté un peu son grade. Et du coup, il m'a donné sa première technique de sable de la mort qui tue. Voilà. J'ai déjà terminé le jeu. Je sais pas si tu peux réellement terminer le jeu, Omar. Hein. Parce que bon, oui, tu peux terminer les missions solo. Ça, y a pas de problème. Mais derrière, t'as le PVP à faire. Et pour monter en S1, bonne chance, quoi. Ah, ils ont un niveau 3 en face, ça va. Ils ont un petit niveau 3, il va être peut-être un peu perdu. Nous, on a un attaquant, un distance, deux défenseurs. On n'a pas de healer. En vrai, je devrais peut-être jouer en healer. Hein. Ah, je peux plus changer, je crois. Oh, trop tard, j'ai pas eu le temps de changer. Dommage. Je me serais bien mis en healer, hein, vu qu'on en a pas là. Et je pense que c'est important d'avoir ça dans la team. Imagine TV, ouais, je kiffe Black Clover, hein, c'est vraiment stylé. Vraiment, je kiffe. On peut avoir Madara ou Obito en maître. Je ne saurais pas dire, mais je crois pas. Je crois pas. Dis-moi, pourquoi il y a que 20 personnes, sachant que c'est Naruto, il y a 1 milliard de personnes, il y a même pas Madara ou Minato. Ben ouais, je sais, il manque plein de persos, mais vous savez pourquoi? Ils sont malins, hein. Parce qu'ils vont les sortir en DLC, hein. Ils vont les sortir dans le Season Pass, hein. T'inquiète que Madara, Minato, tu vas les voir. Mais par la suite. Bon, il y en a, il a pris Rock Lee en face. Ouais, il y en a deux, ils ont le même type de personnage. Hein, bah Tonix, le problème c'est que ma liste d'amis sur Play 4 elle est complète. Donc malheureusement je peux pas vous accepter. Si t'arrives à rejoindre la session à la rigueur, y'a pas de soucis. Mais pour le moment ma liste d'amis est complète. Donc c'est un peu compliqué. Ils vont être par là les amis, ils arrivent. Ah merde, j'ai mis mon truc, je pensais qu'il allait venir lui. En fait il vient pas du tout. Je vais déloc. On va aller aider les... Toucher. Ok, il y en a un qui a été mis KO. Oh! Oh! La caméra! Ça va, je suis pas mort. Ah, la caméra! Je vois rien! Je vois pas ce qui se passe du coup. Je me suis fait défoncer. Oh, j'ai mangé à 4 tonnes. Ouais, si, il y a un mec qui joue à distance. Oui, tu vois là, il veut peut-être m'attaquer. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Par contre, il y en a un qui me défend à coup de 4 tonnes au fond. Là, je l'apprécie guère. Lui, on le défonce. Oh, j'ai mangé quoi là? Quoi? Toi? On va se protéger. On n'a pas de santé. Voilà, ils vont vouloir m'attaquer pour me finir. À toi. Allez, hop.
Je suis mort. Compliqué là, oh, j'ai l'impression j'étais en 1 contre 2 là, et l'autre qui me balance des katanas à distance, lui qui m'attaque au corps à corps, c'est pas évident quoi. Rock Lee égale Quentin, ouais c'est bon, on va l'appeler Quentin le Rock Lee, effectivement. On va l'appeler Quentin. Du coup, attends, on va revenir au combat, pour le moment il y a égalité, hein. Mais bon, moi j'ai pas, là je sers pas à grand chose pour le moment. En vrai, là le type défenseur, enfin, il est bien le type défenseur, mais avec les jutsu que j'ai actuellement, sur mon personnage, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté quoi, clairement. Non. On va se protéger tranquillou. C'est lui en haut là, faut le défoncer là. T'es mal le Loki en haut là, il reste à distance. Je vais aller le chercher lui parce que il est un peu pénible en vrai là. Il est grave pénible lui à jouer à distance comme ça. Là il est un peu en solo. Donc là il s'est un peu. J'ai failli tomber dans le vide. Il est où le Loki là? En fait faut que je focus le Loki. Je comprends pas. Je tombe pas dans le vide Lilian parce que en fait je le chasse. Je suis en train de le chasser le mec mais. Ok, on va récupérer ça. Oh, il y en a un, il a le pouvoir de Deidara, tiens, justement. Il a fait créer le petit dragon, là, qui est archi relou. On va récupérer le parchemin, c'est important. 4 avant la victoire. J'attends que le parchemin arrive. Je récupère ça. Pourquoi je peux pas le récupérer? Ah, voilà, c'est ça. Je voulais le récupérer, donc ça, c'est un parchemin de vitesse. Je crois qu'on se déplace un peu plus vite grâce à ça. J'ai mon ultime hein, de dispo. Seulement, il faut pouvoir le placer aussi sur cette map. Oula, il a invoqué le crapaud là. Toi, on arrive de faire. Ah, on arrive rien du tout. Ah, attends, t'inquiète, on arrive. T'inquiète, mon petit Loki, j'arrive. Voilà. Ouh, j'ai mangé un katon. Ah, je suis pas mort. Wouh! Tombe pas. C'est bon, on n'est pas tombé. On n'est pas mort, pas encore. Maintenant, touché, boum. Voilà, lui on l'a touché. On fait des esquives. Ah, lui aussi là, le truc qui protège. Allez, parfait ça. Tu vois, ça c'est bien là, le truc de protection. Oh, le Susano qui apparaît. 4 avant la défaite. Ah, j'ai été mis KO, j'ai même pas vu. Non. Bien, il faut le PSN Plus pour jouer. Je sais pas du tout. Je pense que non. Mais t'auras pas accès à tout le contenu. Et tu vas être très très limité sans le PSN. Hein. Ah putain, il nous tue encore 2 mecs et on a perdu. Et eux, il en reste 3. Ils ont fait un comeback. Ça va être compliqué, sachant que Vec, il est en solo là-bas. Ah, il va mourir aussi. Ah, il va mourir, on peut rien faire. Ok, donc il faut qu'on en tue 3 et eux, s'ils en tuent 1, ben, ils ont gagné. Donc du coup, je vais attendre les frérots. Je vais retourner avec eux. Je vais retourner avec les frérots. Et on va attendre tout le monde. On va voir ce qu'on peut faire. Putain. Faut pas tomber dans le vide, hein, sinon on a perdu. On tombe dans le vide, on a perdu. Oh le bâtard! Oh là là! Non! Ils ont un healer, les salopios, ils ont un healer. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour moi de ne pas mourir là. Ah, c'est la défaite, ok, c'est pas moi, mais c'est une défaite quand même. Dommage! Le jeu a l'air trop bien. Il est frustrant hein, par contre hein, parce que des fois tu comprends pas trop ce qui se passe, problème de caméra et il y a un truc hein, mais ça je le dis depuis putain j'ai fait du 0-2, j'ai été nul depuis la toute première session de jeu qu'on a pu faire hein, c'était quand la première bêta, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en décembre l'année dernière. Il y a un truc qui est horrible, c'est qu'en fait t'as une permutation, ce qui te permet de faire une esquive. Le problème c'est une fois que tu l'as claqué, quand t'es en 2 contre 1 ou 3 contre 1 ou peu importe, hein, dès que t'es en situation défavorable, tu es sûr de mourir en fait. Tu n'as aucune possibilité, mais vraiment aucune possibilité de pouvoir tenir tête à tes adversaires. Même si tu es meilleur techniquement, tu ne pourras pas, c'est pas possible. Parce qu'ils vont te défoncer. Tu vas être à terre, tu vas te relever, tu vas te refaire défoncer immédiatement, t'as aucune possibilité de temporiser au minimum ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je trouve dommage avec le multijoueur. Mis à part ça,
Franchement, le jeu, je le trouve grave cool. Mais ça, c'est un truc que je reproche, et je faisais déjà ce reproche-là il y a presque un an de ça. Donc bon, c'est un peu dommage qu'il y ait, voilà, il y a toujours pas eu de solution apportée à ce petit problème, quoi. Vraiment. Un peu comme Black Clover. Un peu dans le style de Black Clover, ouais. On peut dire ça, ouais, effectivement, ouais. On peut dire ça. Par contre, je vais essayer de changer de style, parce que là, c'était cacaboudin, hein, de jouer défenseur comme ça. Vous allez voir, je vais prendre le mode distance, parce que le mode distance, je l'ai bien amélioré. Vous allez voir que normalement on devrait faire un peu plus de kills, hein. Ah si, avec ta garde. Ouais, non, mais tu peux pas toujours le faire, ça, Ken le survivant. Tu peux pas toujours, hein. C'est bien la garde, hein. Je dis pas le contraire, effectivement. C'est vrai que moi aussi je l'utilise pas tant que ça, mais la garde est très bien. Mais quand tu es en 2 contre 1, la garde elle te sert à rien du tout, vraiment. Essaye de pas lock tes adversaires. T'es obligé de lock un minimum, Ken. Prends Itachi. Ah, vous voulez que je prenne Itachi? Ouais, mais Itachi, j'aime pas du tout. J'ai fait une partie hier avec, et j'ai pas du tout aimé. Hein. Il tient comment son arme dans le dos? Si, t'inquiète, elle tient comme ça automatiquement. Victor, t'inquiète. Faut pas jouer avec défense en classé. Bah tu peux, si, tu peux, extrémiste, mais... En fait, il faut que t'aies les jutsu adaptés. Et tant que je les ai pas, ça sert à rien. Il y a créé une communauté pour te rejoindre. Je sais pas comment on fait pour créer des communautés, tout ça. En face, il y a un niveau 4 et un 5. Et bah, de toute façon, tu le vois, le 3 quarts. Ah putain, il y a un healer en face. Nous, on n'a pas. J'espère que le dernier va jouer. Ah, il va pas jouer healer. Je vais jouer healer parce que sinon, on a perdu la partie, hein, clairement. Je vais prendre Sakura, tiens, c'est quoi? Non, vas-y, même pas. Je vais prendre mon. Ah, Shikamaru, il est de type heal aussi. Tiens, on peut tester Shikamaru à la rigueur. On va tester Shikamaru, on va voir ce que ça vaut en healer. Je sais pas du tout, hein. C'est la première fois que je le teste. Ça va et toi, Korojiro? Tranquille. On va tester Shikamaru. Voir un peu ce que ça donne. Yusu Sucre, ça va ou quoi? Bah ouais, c'est la même bouteille, Victor. Elle est grave stylée, celle-là. Le jeu est sorti, ouais, il est sorti, ouais. Shikamaru, il part. Ouais, mais il est de type heal, alors bon, je me suis dit que c'était un healer, quoi, ou un soutien, quoi. Enfin, c'est un type soutien, donc bon, normalement, dans la logique, quand même, quoi. Bon, au pire, même s'il heal pas, il devrait avoir des techniques qui vont aller faire chier mes adversaires, ou soit donner des buffs à mes alliés, donc bon. Sinon, quel intérêt qu'il soit de type soutien? On va voir. Ta-ta-ta-ta. Je connais pas du tout ses compétences. Sento Kaishi. Allez, monsieur Orochimaru. Ouah, ça bug. Ça bug. Non, il y a que le parchemin qui heal. Ouais, bah écoute, on va voir. Mais après, il doit avoir des techniques. Ah, j'ai été électrocuté aussi. Ah oui, manipulation des ombres, ok, mais bon, là malheureusement, il m'a servi. Oh là là, mais je me fais défoncer par qui? Je vois même pas. Il y a un mec dans notre dos en fait depuis tout à l'heure. Bon, je suis instantanément mort, écoute. Ah non, je suis pas mort, merde. Là, je suis mort. Ouais, j'ai pas trop compris, Shikamaru, j'ai pas trop compris ses pouvoirs. Ouais, il doit booster ses alliés, peut-être. Ouais, mais je crois pas, non, il a un truc qui doit bloquer un allié sur place, ça c'est sûr. Mais après, j'ai pas compris. J'ai pas compris le L1 à quoi il sert. S'il y en a qui savent... Je suis preneur. Ok, je sais pas pourquoi je tape dans le vide, là. Ok, donc lui, il m'a électrocuté sur ça, c'est très bien. Ok, il m'a renvoyé chez maman. Ah, ils sont deux contre moi, mais je peux rien faire, tu vois, voilà. Deux contre un. Tu veux l'activer, ta garde, il n'y a pas de problème, active-la. Voilà, ça sert à rien. La garde, c'est trop mal foutu. C'est beaucoup trop mal foutu. Et quand t'es en deux contre un, ben, malheureusement, t'es en situation où tu ne peux pas te défendre. Ce n'est pas possible. Voilà, j'ai voulu prendre Shikamaru, après, j'aurais peut-être pas dû. Hein. Vraiment, je comprends pas l'utilité du personnage, quoi. Ah si, j'en ai touché un, ça y est. Je me suis fait remballer direct. Oh, je me suis fait expulser. Mais il y a combien de mecs qui sont là? J'ai l'impression qu'ils sont 4 les mecs. Allez, alors ça aussi pour le placer. Ça aussi pour le placer. La caméra. Voilà, j'en ai poussé un, mais bon, je suis mort direct. Salut Matfrag, ça va ou quoi?
Ça va tranquille. Hein. T'as suivi tout ce Gengar? Ouais, ouais, je regardais le match et c'est pour ça que j'ai lancé après. Bon, bah, du coup, on va prendre un ace, hein, on aura tué personne. Et ils auront gagné, du coup. Mais non, j'ai vraiment pas. Mais pas du tout compris Orochimaru. Shikamaru. Je sais pas. Je suis mort là? Ouais, bon, en plus, il a même pas de santé. Non, je l'ai pas, Korojiro PES. Je l'ai pas, donc je peux pas faire de PES contre Susucre. Storm 4 ou Striker pour toi? Sans hésitation, Naruto Storm 4, hein, clairement. Même si j'étais pas exceptionnel dessus, y a pas d'hésitation possible. Oh, ça c'est. Oh, l'ultime il est stylé. L'ultime, t'as vu, il met tout le monde dans des parchemins explosifs. Genre contre Idan là, et pouf, il explose. Tu vas aller combien de temps encore? Je sais pas du tout. Le Mitsuki est cheaté. Bah, je sais pas, mais en tout cas, Orochimaru, putain. Hein. Quel manque de respect aussi pour lui. Non, Shikamaru, bah, de toute façon, il y a personne qui a fait des kills dans la team. Hein. Shikamaru, on va dire que personnage le plus nul du jeu pour le moment. Hein. Horrible. Hein. Ah, c'était pas cool à jouer, là. C'était pas cool à jouer. C'était vraiment pas cool. Striker, on dirait un jeu mobile. Non, abusez pas, quand même. Ouais, mais attends, il est très très dur à immobiliser, Trident, là. Sa manipulation des ombres a l'air ultra compliqué. Si le mec en face il sait un minimum jouer, il fait garde plus joystick pour faire une esquive et tu le touches jamais, c'est impossible. C'est vraiment beaucoup trop dur, hein. Le jeu est gratuit ou non? Non, pas du tout, il est pas gratuit le jeu. Hein. Il est pas gratuit, mais par contre pourquoi je suis avec des gens là encore? J'aimerais bien lancer un solo moi. Ouais, c'est vraiment dommage. Par contre je sais pas quand c'est qu'ils changent les modes de jeu sur le... Sur le mode classé. On va jouer distance hein, cette fois-ci. On va jouer distance parce que bon, c'est bien beau de vouloir jouer des personnages. Mais bon, on va jouer distance. Vous allez voir, distance, ça va mieux se passer. Yo Talrino, ça va ou quoi? Bon, j'ai économisé Talrino. J'ai pas invoqué hein, sur le portail de Cell Goku. J'ai pas invoqué. J'ai 4300 cristaux. J'économise. Non, abusez pas à dire c'est un jeu PS2 non plus. Non. Ouais, je vais jouer avec mon perso, ouais. Yonir, salut. Lilian, je t'ai enfin dessiné, tu peux look Twitter, s'il te plaît. Draskik, alors attends, je vais aller voir. Bouge pas. Alors. Hop, bouge pas. C'est pas mal. Eh, c'est pas mal du tout, avec le maillot de l'équipe de France, genre bras croisés comme ça et tout, en mode manga, ah, c'est archi stylé, hein. Ça passe bien. Juste la coupe, qui est pas totalement la mienne, mais en soi c'est grave stylé, j'aime bien, ça passe bien. Après faut voir en couleur aussi comment ça va rendre, mais en vrai ça va être archi cool. En vrai merci gros, t'as géré. Hein. Draskik, il a géré. Le mec qui danse est sur le live, le mec qui danse. Ah oui, il y avait le mec qui faisait ça là, je sais pas quoi là, ouais. Non, Itachi les gars, si je prends Itachi, on va, franchement c'est la merde. Vous voulez que je vous montre le début du dessin, vous êtes sûr? Vous êtes sûr, vous voulez que je spoil comme ça? On va voir, alors attendez. Je vais vous montrer ça, attendez, après la partie parce que, rappelez-moi à la fin de la partie, sinon je vais pas y penser. Et à l'attaque, vas-y c'est parti. Téma, ils font tous les nerveux là avec leurs griffes en face. On va les soulever cette fois-ci, hein. Mode distance, 4 tonnes, boule de feu suprême et tout, ça va pas le faire. Yo Ayoub, ça va ou quoi? Tranquille. Comment il va le livreur Uber Eats là? Allez, go. Est-ce que tu pourrais refaire du One Piece? Bah écoute, quand il y aura le World Seeker, pour le moment c'est pas prévu, par contre la session est bug. Ouah, vous le voyez pas à l'écran, hein. Et moi je le ressens, ça bug de ouf. C'est horrible. Il y a un monsieur aussi. Touché, j'ai dit. Attention. Wow. 4 tonnes. Téma, ça bug de ouf. Où sont les ennemis? Ah, il est là. Oh, on s'est touché en même temps. Oh, on a un healer là. Il a l'air de faire le taf. Hein. Ça bug, ça rame. Touché. Oh, il y a des flammes. Oh, ça lag. T'as l'impression le jeu il est en 20 FPS là. Putain, c'était un leurre. Mais arrête de me taquer comme ça, toi. Mais il est relou lui. Oh!
Non, j'arrive même pas à le lock. J'arrive même pas à le lock tellement ça bug. J'aimerais bien le lock, histoire de... Voilà, d'utiliser un peu la défense. Oh là là, ça bug de ouf, c'est injouable, c'est injouable. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Je veux fuir, mais je peux pas. Bah Youb, c'est compliqué de dire s'il est très bien ou seulement bien le jeu ou moyen quoi, c'est compliqué. Mais je peux pas juger en fait, je sais pas. J'ai l'impression que en fait, mon avis final limite sur le jeu, ça serait limite qu'il est pas fini quoi. J'ai l'impression qu'il est pas fini le jeu. Il est pas fini, ça lag souvent, ça rame de temps en temps. Comme j'ai dit, dans les situations désespérées, tu n'as aucune chance de pouvoir t'en sortir. T'es mal, lui. Non mais je l'attaque, il n'y a même pas les mots touchés. Voilà, là, apparemment, je l'ai touché une fois. Voilà, apparemment, là, je le touche, vu qu'il attaque le healer. Vu qu'il attaque le healer, bah, du coup, j'essaye de l'embêter, quand même. Il faut que, si on n'a plus de healer, on n'a plus personne. Touché. On n'arrivera même pas à le tuer. Là, maintenant, boum! Je crois que j'ai tué quelqu'un là avec mon Kirin Ken. Je crois que j'ai tué quelqu'un. Katon. Toi, tu vas où toi? Je comprends pas. Je comprends pas. Des fois, j'essaye d'aller sur les mecs, ça veut pas. Théma, j'ai fait une permutation. Mais même avec ma permutation, je n'ai pas pu esquiver l'attaque. C'est incroyable. Ah non non Ayoub, pas du tout meilleur que les Storms, clairement pas. Non non non. Naruto Storm, ça serait une insulte de dire que Shinobi Striker est meilleur, clairement. Non non, ça serait vraiment une grosse insulte. En vrai, les jeux Naruto, je dis pas ils ont toujours été dans l'excellence, mais ils ont toujours été très bons quoi. Et tu passes de très 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 bon, parce que Storm 4 il est incroyable même, à un jeu limite bâclé. Alors bon, voilà. Tu vois par exemple, dans le style, t'avais Dragon Ball Xenoverse 2 qui est dans le même style, mais Xenoverse ou Xenoverse 2 étaient des jeux quand même plus travaillés, tu vois. Ils y ont mis le paquet. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. Ah, mais je comprends pas. Je suis touché de partout. Explose de partout, je vois pas ce qui se passe. Je vois pas qui je tape. Katon, voilà, touché. Arrêtez de m'embêter. Non mais ils sont tous sur moi là ou c'est une blague? Touché. Ouais, je vais dans le tas. Ça lag, oh ça lag. C'est pas le live qui lag les gars. C'est pas le live, c'est le jeu. Voilà, là c'est redevenu fluide. Voilà, il a des petits soucis de FPS le jeu et puis... Merde. Hop, toi je t'ai repoussé. Non. Je comprends pas. Il est passé à travers tous mes jutsu. Non mais je comprends pas. C'est hallucinant. Je ne comprends pas comment le mec il passe à travers mes jutsu. Il a mis aucune esquive. Toi je te repousse par contre. Ah putain, c'était un clone, GG. Voilà. Le Kirin. Qui aura touché personne malheureusement. Quelle déception pour le Kirin. Non, meurs pas Lilian. Touché. C'est un clone. Oh, ok, toi j'ai compris. Oh toi, oh, t'es mort. Je peux pas me relever. Voilà. Je peux rien faire. C'est trop dur. Salut Mugiwara. Ça va ou quoi? Tu vas étudier où ça, Mugiwara, du coup? Tu pars où? C'est la cinquième grande guerre. Ah, je sais pas si c'est la cinquième grande guerre, mais... Elle est discount à la cinquième grande guerre, alors. Elle vaut pas les anciennes. Parce que là, vraiment... Ah, c'est un clone, bien joué. Il est là. C'est Idan. Idan, c'est... Comment elle s'appelle? Ah, comment elle s'appelle? Ah, putain, Conan. Voilà. Faut la tuer, hein. C'est la healeuse de la team. Katon.
Anton. Je lui fais zéro dégâts, non. Oh, arrête de fuir comme ça, merde. Et allez, il y en a un autre qui va venir s'en mêler, là. Mais merde. Laisse-moi partir, voilà, je me heal. Dégage. Je me suis protégé, j'ai activé ma garde. J'ai activé ma grade, ma grade, putain. Ma garde comme un grand garçon. Mais on peut rien faire, hein. On peut rien faire. Hein. Je te jure, on peut rien faire. Hein. Ça m'a l'air d'être un massacre. Ah, c'est un carnage, là. C'est un carnage, hein. J'ai l'impression d'être tout le temps dans la team qui perd. Eh ben écoute, bienvenue au club, alors. Hein. Bienvenue au club. Parce que je dois même pas avoir 10% de victoire en ligne. C'est hallucinant. Je me fais gangbang par 3 mecs, quoi. C'est pareil, j'ai l'impression que je ne peux pas. J'ai l'impression que je peux pas taper. Défaite, on a tué un type de la session. Je crois que c'est moi qui l'ai tué, le type de la session. Je suis même pas sûr. Je crois que c'est moi. On a tué un ou deux mecs. Hein. Mais là, c'était un carnage. Hein. C'était un carnage. Voyons voir. Ah, j'ai tué un mec. On a tué deux types. On a tué deux types. Ah, c'était un carnage. Rien pu faire. Rien, rien du tout pour faire. Montre le dessin. Vous voulez que je vous montre le dessin qu'il a fait Vous voulez que je vous montre le dessin? Je vous montre ça de suite. Alors, voyons voir. Du coup, il est là le dessin. Attends, parce qu'il me l'a envoyé en gros, alors attends. Il est comme ça le dessin. Vous allez voir. Hop, c'est en version. Version manga, en version Dragon Ball en gros. Ça passe bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt, en fait, faut juste qu'il change la coupe. Après, c'est stylé en vrai. Avec le petit maillot en plus deux étoiles, il a pensé au signe Nike et tout. Il a pensé à tout, hein. Il a pensé à tout. Yokuzan, ça va ou quoi? Tranquille. Attends, c'est où qu'on fait On va voir mon taux de win rate. Il va être horrible. Je dois avoir même pas 2-3%. Pourcentage de victoire. Ah non, ça c'est sur les 10 derniers combats. Ah non, j'ai 26%. Ouais, bah 26% c'est de la merde quand même. Et 30% sur les 10 derniers combats. C'est catastrophique. C'est catastrophique de ouf. Hein. Vraiment, c'est horrible. Enlève l'image là. Non mais attendez, deux minutes. C'était pour vous montrer le dessin. Ah ouais, Matfrag. Sinon, il est classe quand même le dessin. Il est classe. Tu changes la coupe, tu fais la même que moi. En vrai, il défonce. Hein. Non, non, c'est pas ma prochaine photo de profil, Kuzan. Non, mais c'est un abo justement qui m'a dessiné ça. Et je trouvais que le dessin était plutôt bien foutu, clairement. Ah, tu préfères ce jeu Naruto Dragon Ball Xenoverse 2? Je pense que Xenoverse 2 est beaucoup mieux optimisé, hein, clairement. Beaucoup plus complet aussi, donc... Je vais dire Xenoverse 2. Après, moi, je préfère l'univers Naruto en soi, mais voilà, il y a pas photo. Hein. Clairement, il y a pas photo. Il y a pas photo. Hein. Rien que pour ça, je prends Kakashi. Je vais prendre Kakashi. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça, Victor. Hein, c'est ça. Je peux pas jouer avec Fornax. Il est sur PC, les gens. La carrière de Krillin. Ouais. Non, je suis... Ouais, mais Krillin, il est tanké en vrai. Faites les fous, mais il est tanké de ouf. Hein. Liliou, tu penses que c'est bien pastille jaune foncé errant Super Saiyan 2 en 293 matchs et 116 victoires sur FighterZ? Bah, c'est pas mal, Jiren, ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est bon, Talrino, ils m'ont répondu, au fait. Ils m'ont répondu, Square Enix. Ils m'ont répondu et du coup, il m'a dit de renvoyer un message le 4. Du coup, pour m'envoyer un code pour recevoir le jeu. Ah, en vrai, je suis content. Merci Talrino, hein, du coup, hein, pour le petit conseil. Vraiment, merci. Hein. Parce que du coup, je vais pouvoir l'avoir gratos. Ça, c'est cool. Ah, j'ai tellement hâte. Mais aujourd'hui, ils le vendaient à la Fnac, apparemment, le jeu. C'est abusé. Ils le vendent une semaine à l'avance. C'est abusé, quoi. Ils devraient faire un mode Battle Royale. Un mode. Ouais, mais attends, tu veux du Battle Royale partout ou quoi? C'est quoi ce délire? C'est abusé, hein. On est un peu plus de 800 depuis tout à l'heure sur le live. Pensez à mettre max de pouces bleus, les gars. Je compte sur vous. Hein. Max de pouces bleus, comme ça, je vous laisse la rediff. On te les envoie où, les dessins? Manaka sur Twitter, si tu me suis sur Twitter. N'hésite pas. Sinon, t'as le lien de mon Twitter dans la description du live.
Vas-y, ça marche, Draskick. En tout cas, merci à toi, hein. Le dessin est vraiment cool. Hein. Vraiment cool. Hein. Ender, tu parles du conseil, j'apprends de vous. Ouais, non, mais je savais pas que Square Enix, ils avaient le... Tu sais, le Twitter ouvert. Mais, ouais, par exemple, Naruto, voilà, c'est à l'époque... c'était à l'époque de... C'était à quel jeu que Pierre-Adrien, je l'ai contacté de chez Namco Bandai la première fois. Je crois que c'était pour... Non, c'était pas Xenoverse 1. Je sais plus quel jeu c'était. Je sais que je l'ai contacté pour Tekken. Je l'ai contacté pour Xenoverse 2. Je crois que je l'ai contacté pour Naruto Storm 4, hein, je crois. Hein. Ouais, parce qu'en fait, j'avais acheté le Storm Revolution, Storm 3, tout ça, tout ça. Et je crois que je l'ai essayé le Storm 4, ouais. Je crois que c'était ça. Ah, les Anton, on les mange plein fou, et ils font mal. Hein. Ils font très très mal. Hein. Mathieu, je parle de Dragon Quest, un jeu que je vous proposerai. Je ferai un ou deux lives sur Dragon Quest la semaine prochaine. Pas, j'en ferai pas beaucoup parce que je pense pas que c'est le type de jeu qui vous intéresse. Mais en soi, vous allez kiffer graphiquement et tout parce que ça ressemble beaucoup. Les personnages, ils ressemblent beaucoup à du Dragon Ball en fait. Vu que c'est Akira Toriyama qui fait le chara-design des bonhommes, vous allez kiffer. Storm 5, ça serait un délire. Ah, Storm 5, ça serait incroyable, putain. Ah, Shinobi Striker. Allez, merci, au revoir, du coup. Hein. Extrémiste et contre moi, c'est ce qu'on va voir hein, si tu vas me tuer. C'est ce qu'on va voir. Hein. On va voir si tu, si tu as l'étoffe pour ça. Non, je fais pas de FighterZ, Jiren. Non. M'intéresse pas du tout ce jeu. J'ai pas accroché. Il a combien le jeu? Je sais pas, il doit être à 50-60 euros. Ouais, il y avait une petite fille en face. Bon, Kakashit que j'avais beaucoup aimé dans la bêta. Là, on est sur une base sûre. Hop. On va aller vers là où tout le monde va à chaque fois. C'est-à-dire là-bas sur le pilier, parce qu'en général, il y a un parchemin. Alors, faire attention aussi à pas se faire gangbang. Ils vont direct sur le parchemin. Hop, touché. Il y a un mec dans mon dos, non? Il y a un mec par là. Ok, touché. Et retouché. En toi. Et c'est le KO, le Kakashit qui est en place. On s'est auto-touché. Non, on mourra pas avec ça. Ah, GG ça. Je l'avais pas vu venir celle-là. Et c'est le toucher. Et c'est le KO, Extremis. Tu n'existes plus. Tu n'es plus dans la game. Ah non, il était trop loin. Il était trop loin, mais ça va. Je viens sauver mon allié. Oh, ça, c'était stylé, ça. Toi, tu vas laisser mes potes tranquilles, toi. Bim, bam, boum. Allez, le gros combo. Je crois que j'attaquais un clone. Effectivement. Par contre, là, la caméra qui est partie au chou. Hein. Oh, j'ai mangé quoi? Je sais pas ce que j'ai mangé. Et c'est le KO! Pouloulou! Ok, on a activé le Sharingan. Le Sharingan est une technique que je trouve bien pété quand même. Le Sharingan, je trouve que c'est archi pété. Dans le sens où tu peux esquiver du coup une deuxième attaque. Et c'est le KO! Oh là 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 là, on les enchaîne avec Kakashi. Hein. On les enchaîne avec Kakashi. Il est trop fort ce Kakashi. Il est trop fort. Ah bah là, je suis mort aussi, c'est dommage. Mais je kiffe Kakashi. Ah ouais, il arrive, il transperce direct, il fait les bons dégâts, il est en place quoi. Salut Kazuto, salut. Déjà le 4 contre 4, tu comprends rien, alors un Battle Royale ça serait la mort. Ah ouais, de ouf, hein. Non, de ouf, j'avoue que un Battle Royale ça doit être horrible. Déjà 4 contre 4 de temps en temps, c'est vrai que ça bug. Voilà. Ouais, je suis passé au travers je crois. Touché. Touché. Oh là là, ils sont plusieurs là, attention. Attention parce que là ils étaient plusieurs à m'attaquer. Ouais. Et bim, ça transperce. Il nous en manque 3 à tuer, on a gagné. Hein. Toi, extrémiste, t'as fait le fou en disant sur le chat que t'allais me défoncer. Je t'ai déjà tué 3 fois. Ah non!
Ok, c'est bon. Ouh, il a mangé un dragon. Et bim, Extremis, t'es pris en gangbang et donc là il peut strictement rien faire. Voilà. Oula, je suis mort aussi. Attends, attends, parce qu'on peut perdre la partie encore. Oh, c'est du 2 contre 2. Enfin, il nous tue deux mecs, on a perdu, on leur en tue deux, on a gagné. Oh, ça va être chaud, hein. Ah ouais, t'aimes bien Sam. Pourtant, je peux te dire, c'est pas le jeu le plus optimisé de la planète. Alors par contre, là, il va falloir jouer regroupé, hein, si on veut avoir une chance. Là, il faut jouer regroupé, sinon, ça va être la caca. Si on active le Sharingan. En toi. Ah, je l'ai raté. Il y a un mec là-bas, il a pas de... Il a utilisé son club. Et je tente mon camion aussi. Ah, il passe pas là là pour la victoire. Il est passé l'ultime. Victoire. Pouh. Avec le petit camion de Kakashi. Nickel. Parce qu'il est très dur à placer, mais il one shot automatiquement. Et bien voilà. Tu peux pas l'acheter, Sam. Il est que sur PlayStation. Ah si, sur Xbox One, tu peux l'acheter sur Xbox One. Du coup, on a fait du 6-2 cette fois. Oh, on était en 3 contre 4 en plus. J'avais même pas vu. Et voilà. Et cette fois-ci, avec Kakashi, on fait un bon petit 6-2 qui fait zizir. Il fait zizir, hein, celui-là. C'est Kakashi, hein. Moi, je l'appelle plus Kakashi. C'est Kakashi, hein, tellement il est fort. Hein. J'arrive pile pour le Kamui et la victoire. Hein. GG Lilouche. Merci, merci, merci. Et j'avoue, il était beau. Il y a quoi comme perso jouable? Il y en a une vingtaine. Il y a une vingtaine de personnages jouables. Je les ai pas tous débloqués, donc je pourrais pas te donner la liste complète. Mais je pense que tu peux la trouver sur Internet, hein, dans la logique. Tu devrais pouvoir trouver ça. En tout cas, le petit Camus de la fin là, incroyable. Il était beau celui-là. On rejoue Kakashi ou pas les gens? Pourquoi on peut pas l'acheter Lilian? De quoi? Qui ça? Qui ça? Qui ça? Le jeu? T'aimes le jeu Lilouche? Bah Mathieu, j'aime et j'aime pas en fait. Enfin, je... C'est pas je l'aime pas. C'est... Je l'aime bien le jeu, hein. Je l'aime bien. Mais il y a trop d'imperfections en fait. C'est des petits détails par petits détails qui font que l'expérience de jeu, je trouve, elle est un peu gâchée. Mais en soi, l'idée est très bonne. Hein. L'idée est très bonne. Et tu peux en faire un très bon jeu. Mais comme j'ai dit, j'ai l'impression que le jeu est pas fini. J'ai l'impression que le jeu est pas fini. Ah, Sasuke. Ah, les gars, Sasuke, vous êtes relou avec Sasuke Uchiha. J'en peux plus de lui. Ah ouais, Kakashi le cheater du jeu. Non mais c'est juste que moi j'aime bien jouer avec Kakashi. Après en vrai il y en a ils vont jouer avec, ils vont trouver ça nul. Je sais pas, on pourrait tester Mitsuki aussi à la rigueur, hein. Tu peux regarder plus ton chat. Putain, je le regarde déjà beaucoup le chat, hein. T'as déjà de la chance que je lise ton message toi, dis donc. Non, si vous voulez, je peux prendre Sasuke, mais quel intérêt, sachant que c'est le même que mon personnage quasiment au niveau des pouvoirs. Je peux prendre Naruto, mon Kakashi on a testé, Gai aussi, ah ouais, Kai, ça... putain, Kai. Gai, ça peut être pas mal. Ah, Shikamaru, plus jamais de la vie. Vas-y, on peut prendre Rock Lee. Sasuke, ça sert à rien, on a testé déjà le mode distance et c'est le même. J'ai le Katon, j'ai le Mille Oiseaux là, enfin là j'ai même utilisé le Enton, et j'ai le Kirin, donc c'est vraiment Sasuke bis, quoi. Waluigi, ouais, on va prendre Waluigi, hein. Mais après on prendra Peach aussi. Non mais je vais tester Rock Lee, tiens, je vais tester Rock Lee, voir un peu ce que ça vaut. Mais pour moi, dans mon style de jeu perso, je sais que Kakashi, dès que je l'aurai en maître, je fais toutes ces missions RV pour avoir le Sharingan qui, je trouve, est une compétence bien bien pétée. Vraiment. Ouais, Gaara, on peut le tester aussi, hein. Salut Lilian, continue, t'es trop bien. Merci Ulstario, merci à toi pour la donation au passage sur le super chat. Et puis merci pour ton petit message qui fait zizir. Merci à toi. C'est la bêta. Non, c'est le jeu complet, hein. Il est sorti déjà hier. Il est sorti hier. Le 31 août 2018. Moi je suis sur ma moto. Allez Wario, j'avais pas vu. Ouais. Le mec il a une image de Wario sur la moto. J'avais pas vu. On dirait Xenoverse en Naruto. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça, hein. Ah, Extremis, il est là. Est-ce que tu es déçu, Extremis? Salut, je voudrais te proposer un petit partenariat qui consiste à se faire une publicité mutuelle. Et si t'es intéressé, dis-le moi dans ce live. Je te contacterai en MP Discord. Eh bien, écoute, Soran, c'est très gentil. Mais je ne pense pas avoir besoin de publicité. Mais en tout cas, c'est très gentil, merci à toi.
Gaara et Mitsuki. Ouais, Mitsuki, on va tester. Gaara, on va tester aussi. Par contre, c'est dommage, tu vois. Parce que, comme je disais, bon, il y a une vingtaine de personnages. En soi, il n'y en a pas beaucoup. Et par exemple, là, on est obligé de se taper un Gaara. Mais par exemple, si on a envie de jouer Gaara quand il est petit ou des conneries comme ça, comme dans Naruto Storm, bah, tu peux pas. Naruto, t'as qu'un set de Naruto. Et je crois pas que tu puisses modifier les techniques des personnages. Donc, si t'as envie de jouer, par exemple, Naruto, mais que t'as envie de... J'en sais rien, de jouer un Naruto Rikudo, des conneries comme ça, bah tu ne peux pas. Et non, malheureusement. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez, Fares, on a gagné ce soir. Bou, tu vois pas mes messages. Mais si, Victoria. Enfin, tu m'as pas écrit, là. Ça fait un moment que t'as pas écrit, là. Mais après, on est nombreux aussi. Hein. On est nombreux. Joue Hinata. Je l'ai pas débloqué. Je l'ai pas débloqué, Hinata. La saison passe. Non. Non, non, non. Non, non, non. Malheureusement. Itachi, il est bien. Ouais, hier, on l'a joué, Itachi. J'ai pas... J'ai pas plus kiffé que ça. Oh, il y a Shoji, quand. Tema le Shoji. Hein. Tema le... C'est le Shoji Boruto. Hein. Alors, il est mieux que... Alors, il est quand même mieux que... Ouais, ça lui fait un côté plus sérieux, quand même. T'as vu le corner en train de dire Maria? Ouais, j'ai vu. Et ouais, le sucre, il est là, il est en place. Il regarde, mais il vient pas jouer. Hein. Oui, j'ai Discord, Arion. J'ai Discord, t'as le lien normalement dans la description du live, à moins qu'il n'y ait plus. Et dans ce cas-là... Si, il y est Discord, si, il y a le lien. Tu peux aller dessus. T'arrives, ah, nice. Allez, on va ramener Susucre. Ah, est-ce que vous voulez écouter la rage légendaire de Susucre hier sur le live, qui était extraordinaire, les potes? Est-ce que vous voulez voir cette vidéo, ou cette rage en tout cas, qui était incroyable? Si tu veux Discord, je suis dispo, enfin, après, avec ton live, je sais pas. Ah, bah, si tu veux, Maxime, si tu veux, bah, viens, là, vu que je vais être avec Susucre, si tu veux venir jouer aussi, tant qu'on y est. C'est vrai que, putain, j'ai oublié de te répondre tout à l'heure. Mais merci en plus, hein, pour la petite donation de 5€, merci à toi, gros. Attends, j'arrive. Les storms sont beaucoup plus complets. Ah ouais, ouais, non, les storms sont carrément plus complets. Hein. Le live se termine à quelle heure? Je sais pas du tout. Écoute, quand j'aurai décidé qu'il se terminera. Hein. Par contre, c'est long pour trouver des games. Ouais, un peu, ouais. Alors attendez, on va quitter. Et on va faire en sorte que Susucre et Maxime, du coup, viennent jouer Discord. Hop. Victorine, tu me disais quoi tout à l'heure, du coup? Bah, j'ai écrit, mais tu vois pas quand je te dis, tu vois pas mes messages, ça l'enflure. Ah là, mais après, écris pas quand je suis en partie aussi. Écris quand je suis dans le menu, comme ça. Si je suis en partie, c'est sûr, je vais pas le voir. Hein. Je vais pas le voir. Alors, attends. Ah ouais, je vois Matfrag, le mec. Ouais, un petit peu. Oh putain, et l'autre. Bonsoir, Susucre. Ah ouais, j'arrive pas à appeler dans la converse avec Maxime, quoi. Je sais pas pourquoi, ça marche pas. Ah merde, bah rajoute-le si tu peux. Bah là, je peux pas, je suis en train de marcher, je rentre de la salle. Ah, je sais pas comment. Ah, mais t'es même pas là, con. Mais qu'est-ce que tu me fais? Mais je suis là, Maxime. Dans 2 minutes. Je me prendrai mon B après. Et ouais, mais je sais pas comment on l'ajoute, Maxime. Et moi, j'arrivais pas à appeler dans la conversation de A3. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Vas-y, j'appelle si tu veux. Ah, vas-y, machana. Machana. Alors, on est ici. Et c'est parti normalement. Tududung, tududung. Tududung, tududung. Ça fonctionne. Et ouais, ça fonctionne. Oh, tu vois, s'il est énorme, mec, il faut que tu le prennes, on va trop rigoler. Ton micro, il est horrible. Ton micro, il est horrible. C'est l'équipe pétant, gros. Ah, il fait mal aux oreilles. Ah, c'est l'équipe pétant. Ah, ouais. Eh ouais. C'est l'équipe pétant, quoi. Eh ouais, le kit pétant. Mais y'a mon Maxime. Merci, merci, Ulstario, merci à toi. Merci encore pour le petit super chat d'un euro. Merci, c'est gentil. Ah, ouais, putain, ça fait des super chats d'un euro. Ouais, très bien, très très bien. Ah, bah ouais, c'est le classique. Les petits anneaux, on les kiffe aussi. Ah ouais, très bien Maxime, ça y est, ça donne alignant aussi, très bien. Je boot, c'est fini, je joue plus avec vous, je vous bloque, je crée ma chaîne YouTube tout seul. Ça y est. Bah viens, on en fait une en commune, on fait une chaîne Fortnite. Non, je me suis trompé, merde. Oh mec, tu sais que je suis sûr, si on crée une chaîne YouTube à deux, comme un Nikra des mers. Par contre, je prends tous les thunes. Ouais, non, moi tu me fais pas comme Isoka, gros. Non, Isoka, avant qu'on gagne ne serait-ce que 50€, j'y ai dit bon, il va falloir prendre une décision, mon frère. Ouais. Victor, je sais pas, en fait, je dois recontacter Cédric du coup de Square Enix. Et du coup, en fait, je sais pas si je reçois Dragon Quest sur Play 4 ou Ordi, je lui ai pas demandé. Donc, je verrai.
Mais je pense que je vais prendre Play 4, hein, c'est mieux. Play 4, c'est plus intéressant, je pense. Ouais, Formax, il me rejoindra demain, il le prend, il a son PS4 demain. Ouais, c'est bon. Ouais, cool. Wario Dash, le jeu My Hero Academia ne te hype pas trop non plus. Hein. Clairement, pour l'avoir testé à la Japan Expo, il est pas nul. Mais ouais, qu'est-ce qu'il est lent, qu'est-ce qu'il est lent. Ouais, je sais pas ce que t'as avec ce jeu, mec, mais tu passes ton temps à le trash talk. Non, je le trash talk, je dis tout le temps la même chose. Depuis la première bande-annonce, il a vu deux vidéos, il a fait « Ah, c'est de la merde !» Non mais déjà il est pas beau, déjà le style graphique du jeu. Non mais jeu attends, même. Frère, Shinobi Striker, il est non, dégueulasse. Non, les animations sont super belles sur le jeu My Hero Academia, les animations sont super belles. En soi, le côté graphique est pas ouf, par contre, je te jure que le jeu il est lent. Tu vas être choqué dans le sens où c'est genre Naruto Storm, mais en deux fois plus lent, c'est horrible. Ouais, tu me fais rire parce que depuis le Day One, je t'aime ce jeu. Ah non mais je te jure, hein. Oh, t'es pas prêt, hein. Je me rappelle, à la première bande annonce, on a fait une vidéo ensemble même de réaction. Ah j'étais pas chaud, ah, j'avoue, il m'avait pas hypé. T'es chez moi. Limite, on versait une larme à la fin de la vidéo. Ah, il m'avait pas du tout hypé le jeu, j'avoue. Mais Jump Force, par contre, il va niquer les mères. Ouais, je pense que Jump Force sera déjà plus cool. Mais c'était en 2019, ils sont sérieux. Ouais, c'est long. Je sais quand, c'est avril ou mars, c'est un truc comme ça, je crois. Hein. Je sais pas, hein. Ouais. Vous l'entendez bien, Susucre? Vous entendez bien Maxime aussi, du coup? Ils sont en convoi avec nous, hein. De toute façon, je vais arriver chez moi, je vais bientôt aller sur mon PC. Ouais, t'auras un meilleur micro, parce que là, c'est infernal. On va aller faire un PES, mec. J'ai pas PES, si tu veux faire un PES. Mais go le prendre, frérot, 40€. Ouais, d'accord, j'ai payé 40€, t'es fou, je vais payer Spider-Man déjà. Mais le mec qui paye Spider-Man, paye pas PES, mec. Mais c'est la base de. J'ai envie de te gerber dessus. Non, je prends Spider-Man direct. Il t'a répondu le studio de qui? De Spider-Man? Non, j'ai pas envoyé de message à Spider-Man. Je sais même pas qui c'est qui développe le jeu. Mais ouais, mais je. J'ai même pas regardé. Faire tes recherches. Non ? À la vie de ma mère, je. Klaus Matteo qui s'est abonné, bienvenue. Merci à toi. Et d'ailleurs, au fait, j'attends. Au fait. Oui. J'attends toujours Jurassic World. C'est sérieux ? Ouais, j'attends toujours une réponse en vrai. Ah, oh, ils t'ont tellement ken. Attends, je rentre dans l'immeuble, ça va plus capter. Ah, franchement, ils m'ont pas respecté, hein. Ah, avant que je capte plus. Ah, mais tu captes plus déjà, ouais. Laisse tomber, c'est trop tard. Hein. Tu bugs comme jamais, hein. Ah, je vais vous faire écouter le passage de rage de Susucre après, ouais. Je vais vous faire écouter après. Ah, ouais, il était incroyable. Ah, oui. Qui est le plus fort entre toi et Susucre? Ah, ben c'est moi, c'est logique. Hein. Ouais, Susucre, il est juste là pour être en bas du classement. C'est ça. Il fait figuration, tu vois, quand il est là, ça ramène un peu plus de monde, mais voilà, par ça, voilà, c'est Susucre, quoi. L'homme le plus casanier que je connaisse de l'histoire, de l'humanité, comme il dirait. A voir, Jump Force, à voir. Mac, merci pour l'abonnement, allez, on est parti pour cette game, après, du coup, on invite Susucre et Maxime. Ils ont... Ah, il y a un boxeur en face. Voilà, il y a un boxeur, vas-y, on est parti. Bah, je suis déjà avec toi, hein. Ah, t'es avec moi, toi, c'est bon? Bah depuis tout à l'heure je joue et il dit c'est moi. Ah bon, mais ça. Oui c'est toi avec. Oh, ok d'accord, ok, j'avais pas. Ah elle est stylée cette map en plus. Le village de la pluie, ah, est stylé. Ouais. Au milieu c'est avec Shrek. Ah les animations de Rock Lee stylées. Ça va bien. Ok ils sont là-bas, ils sont en face. J'ai pas envie d'y aller direct. On va les laisser venir. Je vais mettre mon machin. Ouais. Ça c'est bon. Ça. Ah voilà, hop. J'ai raté mon kick. Pouh, oh le coup de pied il est stylé. J'ai débloqué qui ça met. Ah ouais. Ah ouais. J'ai eu un de ces coups là, il est. Ah j'arrivais pas à aller sur mon ennemi. Ah mais attends, le Rock Lee a un coup de pied qui est stylé, qui passe bien, ouais, et l'autre il est horrible. Wow, ça fait cher là. C'est parti, on enchaîne. Pouh. J'ai fait un combo de 11, par contre je suis un peu keblo là. Non. Touché. Ah, je me fais attaquer en traître. C'est pas cool. Ah non, je vais mourir. Non. Oh, le kit pour s'en sortir.
Ah, je suis mort. J'ai essayé de m'en sortir. Ouais, le village de la pluie est grave stylé en fait. Tu commences tout en haut et tu sautes en bas. C'est archi stylé. Et puis il est bien fait quand même. La map est vraiment bien faite, je trouve. C'est une des meilleures maps qu'il y a pour le moment sur le jeu. Ah, t'arrives. Trop stylé. Tu l'as faite, la map du village de la pluie? Allez, oh le chaos que j'ai mis! Oh, Rock Lee, il a un coup de pied, il est dévastateur. C'est le village de la pluie. Ouais, c'est classé. Ah non, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Ah là 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 là. Bon, on a perdu de toute façon, très certainement. Ah, là, là, là. On a perdu. C'est mauvais quoi. Oh. Rock Lee a l'air dur à jouer. Non, ça va en vrai. En fait, c'est que son L1 qui est implaçable. Mais son R1 est quand même bien cheaté, je trouve. Non, j'ai pas entendu. Boum, le KO. Non, j'ai pas entendu. L'ouverture de la... C'est quelle porte qu'il ouvre là d'ailleurs? Ça tient? Ah, du coup j'ai la vitesse améliorée. On le chasse. Ah, par contre la porte elle s'ouvre pas très très longtemps. Y'a un gars qui est à côté. Ah non, c'est... Ah, pour l'attraper c'est mission impossible. Ok, ça va, je l'ai mis KO. Encore 4 avant la victoire, on est revenu, 4 partout. On peut revenir. Ouais, on peut revenir encore. Ah, faut choper le parchemin. Toi, tu laisses mon pote tranquille. Voilà. Le kick. Allez, on enchaîne, Rock Lee, on enchaîne. J'ai le parchemin. J'ai ça. Ça peut faire la diff. Hein. Ça va faire la diff. Là. Oh, le kick. Pouh. Ça va être un KO là. Ah, il est pas mort. Oh. Ah, il est pas mort. Oui, ça. Let's go. Allez, on peut gagner. 3 contre 2. Oh, le kick de Rock Lee, il est incroyable. Oh, le parchemin, il nous met bien, André. Attention. Allez, allez. Ah, tu vois, c'est le kick avec 1-1, il est nul de Rock Lee. Toi, je te chasse jusqu'au bout. Ah non, les combos de Rock Lee après ils sont stylés. On peut le débloquer, hein, les Ouais, faut que je joue avec. Ah, j'ai raté le mec. Allez, encore deux, il y en a qui bientôt mort. Allez, je suis dessus, je suis en train de l'atomiser. Il va mourir. Il est mort? Ah, ok, 9. Ok, donc il nous en reste un à tuer. Ah, j'ai pris cher. Moi, je prends cher. Ah, je peux pas fuir. Je peux pas, je me fais enchaîner. Ok, touché. Ok, oh, lui, on le défonce. J'ai bientôt ma porte qui va s'ouvrir, normalement. Je l'ai encore. Ah, c'est 2 contre 1. Victoire, nice. GG les gars. GG. Putain, on est revenu de l'enfer. Ils avaient on avait tué quoi, un mec, il nous en restait 4 pour mourir et le comeback. Non, Kakaro, si t'as pas fait le Storm 4, fais-le. Le Storm 4 est vraiment cool hein. 5-0. Ah, GG. T'as fini premier du coup. C'est le GG ça. Oh, quel homme ce Maxime, quel homme. Ah ouais, il est en place. Incroyable. C'est pas mon premier donateur pour rien. Si. Bon, non, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire Storm 4 supérieur à Shinobi Striker, clairement. Ah, Dewaz, je connais Arena of Valor. J'y jouais pendant un certain temps sur le mobile. Je me rappelle, c'est moi qui te l'ai fait connaître, enculé. Tu sais que j'ai tryhard pendant 3 semaines, je crois. Vraiment, j'ai tryhard des ranquettes dessus. Vas-y, je suis là, la gomme. Ouais. L'époque où il y avait Batman, Superman, le Joker. C'était en octobre. Ouais, rejoins-nous, ouais. Tu peux me rejoindre normalement, ouais. Tu vas sur Lilian en ami et tu me mets rejoindre. Salut Juvencio, ça va ou quoi?
On n'entend pas très bien les autres. Ah bon? Faut que j'augmente le son? Quoi, on a mis, mais c'est où rejoindre? Je vois invité, profil, retour. Ouais, mais tu vas dessus et tu vas sur le jeu. Normalement, là, c'est mieux. Ça te dit comme quand il joue à Naruto et puis tu vas dessus, ça fait rejoindre. Ah, mais tu veux dire pas dans Blade? Ah non, dans les PSN. Kakashi Sensei qui s'est abonné. Bienvenue Kakashi, merci à toi pour l'abonnement. Kakashi Sensei, quoi, l'ancienne. Ah. Non, c'est bon là, normalement vous l'entendez bien, ce sucre. Ah, qui s'amuse, je vais pouvoir débloquer des trucs. Ah, d'ailleurs, j'ai des rouleaux, alors attends, je vais aller utiliser mes rouleaux le temps que ce sucre y rejoint. Ah, les rouleaux, ouais, j'ai que des rouleaux banals, moi ça me saoule. Ah, ben en même temps, c'est dur d'avoir des rouleaux Kakashi. Hein. Ils sont terribles, j'en ai jamais eu. J'en ai eu un en mission VR là, mais c'est tout. Expertise des rouleaux. Totten, voyage souterrain. Oh, j'ai une nouvelle technique, je sais pas ce que c'est. Voilà l'attaque. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? 300 Rios, 500 Rios, 100 Rios, bas de Kiba couleur 2 et lunettes de Chino. Je vais passer où pour le rejoindre, genre une fois que je suis sur ton profil. Alors attends, tu vas. Bah, attends, faut que je sorte. Ouais, attends, faut que je sorte de chez Tenten, je crois. Pourquoi je suis Lilian, je suis sur le tien là? Bah, parce que Lilian, c'est lui le. Le chef du groupe. C'est moi Lost. Ouais, je suis sur Lilian, là je suis sur son profil, présentation, jeu, ami, communauté, machin. Et ben dans jeu en cours, tu vas dessus, tu cliques dessus, et ça fait rejoindre. Ouais. Moi je vois. Tu nous montres la rage de Susucre. Ah, vous voulez voir le moment de rage de Susucre hier? Ouais, il était génial ce moment là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, bougez pas. T'as mis PSN, t'as été dans Ami en haut, tu sais, dans à côté de ta notification et puis communauté. Ouais, là je suis dans Ami, là je suis dans Lilian 31. Voilà, tu cliques dessus, normalement Lilian 31. Alors. Donc j'ai quoi? Attends, j'ai présentation, jeu, machin. Ouais. Quand tu vas dans. Attends, quand tu vas dans présentation. Ouais. J'ai trop de notifications. Y'a pas écrit jeu en cours? Qui? Eh bah tu vas dessus. Ouais. Et là ça te met rejoint. Ah, j'ai 36 notifs. Ah, machallah, bac plus 10, putain. J'avais rejoint l'équipe. Putain, je viens de la salle, je me suis pas douché, je sens le mort-vivant. Ah, bravo. C'est qui Rikudo? Je sais pas, mais c'est Rikudo. Il nous a rejoint comme ça. Alors attends. On va lancer une partie du coup. T'as fait mes. Ah, en fait, comment t'as eu la faux d'idole? Je sais pas, j'ai débloqué dans un rouleau, je crois. Oh putain, attends, là. Putain, je retrouve pas le truc de sucre. Attends, ouais, je l'ai mis sur Twitter. Ouais, je sais, mais je le retrouvais pas. Je sais pas. Bah, j'ai pas tweeté 40 trucs. Oh, putain. Je te jure. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Si vous voulez voir ça, alors attendez. Comment je fais pour l'afficher? Je crois que c'est afficher une fenêtre, je crois. C'est pas un truc comme ça? On avait partage d'écran sur OBS. Oh, j'ai Garal. Non, c'est capture. Oh merde, putain. C'est pas capture de fenêtre, c'est dans le groupe. Ah, bravo. C'est dans quoi? C'est quoi le truc pour Ah, mais je crois savoir, attends. Oui, c'est capture de fenêtre, pas de fenêtre de. Piouf. Voilà, regardez, on va là-dessus. Non, putain, on va pas sur son profil là avec son. Eh non, putain. Ah, c'est relou. Alors attends, sucre ici. Donc on va descendre. Vas-y, mets des likes sur toutes mes publications, s'il te plaît. Voilà, on va là-dessus, et donc c'était là-dedans. Ah, t'as vu Ragnar ou quoi en fond? Ouais, j'ai vu. Attends, fais un silence, je vais mettre la vidéo. Fais un silence, hein. Écoutez, hein. Avec son épée là, Santa là. Et nique ta mère, Santa, achète ta mère, elle te fait pomper par ta grand-mère. Fils de pute, là. Oh pute, là, oh salon. À cause de toi, mon live il est démonétisé, gros. Vas-y, il me casse les couilles, ce jeu. Mais il me défonce, frère. Avec son épée, là, Santa, là. Et nique ta mère, Santa, achète à ta mère, elle te fait pomper par ta grand-mère. Fils de pute, là. Oh, pute, là, oh, salon. Voilà. Voilà. Ah, hier soir, je l'ai regardé. Hier soir, je sais pas, je tapais une barre tout seul en la regardant. C'était vraiment abusé, quoi. Ah, j'aime bien la chatte à ta grand-mère qui te pompe ou je sais pas quoi. Ah, ouais. Ah, ça venait tout seul. Il était au bout, hein, ça faisait plus d'une heure en jouer, plus d'une heure on se faisait rouler dessus. L'accumulation, mec, j'en pouvais plus. Oh, on avait même pas fait un kill hein, en une heure. On était au bout de notre vie là. Vas-y, go mettre la partie là. Oui, mais c'est Maxime là. Ah, c'est moi, quoi, j'ai arrêté.
Ouais, putain, le mec il est en train de vendre des papiers là, je sais pas ce qu'il fait. Ah mais c'est bon, je t'ai dit depuis tout à l'heure. Ah c'est bon, bah vas-y go. Non mais c'est normal qu'il ait ragé comme ça. Hein. En une heure, tu te fais éclater, tu fais pas un kill, rien, on se fait... Franchement ça bug et tout. Non, non, tu peux pas rester lucide quand même à un moment donné. Non mais surtout que là, cette game là, je me rappelle, il y avait un mec qui ressemblait à Kizame. Ouais, multicouleur là, ouais, rose. Ouais, multicouleur, en gros, il me défonçait, toute la game il m'a défoncé, gros. Oh, j'allais, peu importe où j'étais sur la map, il arrivait sur moi. Ouais, non mais t'inquiète, moi c'était pareil. Pompé ça. Abusé quoi. Prends Mitsuki. Non, là je joue en attaquant. Là on va gagner la prochaine partie. Rien que pour ça, je prends Kakashi. Et après, si vous voulez, la prochaine, je joue Mitsuki. À la prochaine, si vous voulez. Mais là, pour le moment, on va rester en mode attaquant. Mais Rock Lee, là, pas mal à jouer. Hein. Son R1, il est vraiment stylé. Hein. Dès que je l'aurai en maître, lui, j'aimerais bien débloquer sa technique. Tu l'as pas débloqué en maître? Je pense pas, je sais pas, j'ai pas regardé. Là, je suis avec Mitsuki, de toute façon, là, je monte un peu Mitsuki. Ah, Mitsuki, ouais. Mitsuki, est pas mal. Ouais. Mitsuki c'est un défenseur par contre. Ouais je sais ouais que c'est un défenseur ouais. Mais j'aime bien jouer mode défenseur, c'est pour ça que je suis en train de monter ouais. Suzuki joue healer. Ouais joue healer gros par contre, abuse pas. Hein. Ouais. Ah merde, sacrifie toi. De l'histoire de l'humanité des jeux mec. Ah ouais. Genre sur Smite tu jouais pas support. Mais jamais de la vie. Ça c'est en Aram quoi. Ouais c'est horrible en vrai. Oh c'est Aram. Ouais, mais quand t'es en Aram, c'est horrible de jouer support. Et quand je suis healer ou support en Aram, je alt F4. Je revenais un quart d'heure après le ban. Ah, comment je suis trop stylé, putain, comment je vous mets tous la pigne. Non, t'as... Ah, t'es malheureux avec le truc de Toby, là, il est dégueulasse. Le Malafa qui était stylé en face. Moi, je suis grave là. Ah, Prince of Persia, calme-toi, de suite. Oh merde, putain. Il y en avait un qui était un peu en mode cel shading justement, qui était archi stylé, que je kiffais de ouf. Oh ça bug non? Ils sont les mecs? Je sais pas mais en plus on est tous là. Ah c'est bon ils arrivent. Franchement. C'est qui Rikudo? Vous avez les dégâts parce qu'on est deux, on est deux sur le parchemin pour protéger. On a pas Lilian. Oh ça bug. Je me téléporte. C'est abusé. Hop c'est bon. Ah GG le parchemin. Ils sont où les autres? Ah où sont les... Ils sont où les ennemis? Il y en a au fond là-bas. Là. Ouais touché. À toi. Oh qui c'est qui m'a écrasé comme ça là? En fait, les distances sont nulles à chier quand je lance. Ouais, en vrai, distance, ouais. Ouais, distance. Dans la bêta, c'est des meilleurs, mais là, c'est le pire joueur. Distance, t'as l'impression que t'as pas de santé. T'as pas de santé, tu fais 0 dommage. Ouais, j'aime pas du tout jouer distance aussi. Il est tombé. Oui, il tombe. Ah, les ventailles là en arme de défense, là, il est vraiment pas mal. Ouais! Wouh! J'ai failli tomber. Ah, tu verras, la faux de Hidan, en vrai, elle a des combos qui sont grave stylés. Ouais, faut que je le déjouer. Oh là là, c'est trop. On me dit s'il est besoin d'un. Oh, il y a un ulti qui a été balancé. Ouais, je l'offre pas le bon. Oh, ça fait mal. Oh, ah, l'invocation là du gamma. Fait pas plaisir. Hein. Le parchemin. Du go. Ah, Yana il a annulé mon. Non, Yana il a annulé mon. Je comprends pas. Vas-y. Ah, j'arrive du spawn, je prends une attaque qui me stun et je tombe dans le. Oh non, il va dans le parchemin. Oui. Ah, j'arrive. Je vais au parchemin aussi, j'arrive. J'ai chopé le parchemin. Ah, GG, gros, t'es avancé. Oh la vache. Ah, mais ils sont tous dessus là. Ah, ils viennent tous au spawn te chercher là. Ah, ils sont. Ah, ils sont vénères. Tiens, c'est avec moi, t'es où? T'es là? Oh non, genre mon mille oiseau il passe dans le vide comme ça. Allez dégage toi. Oh ils vont me tuer. Ah il m'a paralysé. Oh j'ai pas. Je suis pas mort. Ah, je suis mort. Je comprends pas la caméra. Boum touché.
Un jour, les développeurs étaient sous cocaïne et sous héroïne et ils ont décidé de faire la caméra du jeu. Ah, je sais pas, je suis mort. Je sais pas comment. Ah, j'ai fait une TP pour pas mourir et je suis mort. Je comprends pas. C'est avec les ronds, c'est avec une espèce de. Du coup, là, qui te lance. Non, mais j'avais pas toute ma santé, mais j'avais quand même de la santé et. Je sais pas trop. Il faut qu'on reste regroupé en vrai, parce que sinon on se fait éclater. Hein. Quand on n'est pas regroupé, c'est horrible. Là, je sais pas qui c'est qui, mais c'est cool. Lui, là, il est en distance. Ah, je suis tombé dans le vide comme une merde. Putain, en voulant tuer un mec, quoi. Et ouais, il était en bas, du coup, j'ai fait mon mille oiseaux, ça m'a fait tomber. Je suis en train de le taper. C'est trop nul. Attends, il y a un parchemin qui apparaît ici, je vais le prendre. Ah, mais ils ont tous le katon. Hein. Je vais prendre le parchemin. Allez, apparaît. Voilà, parfait. Bonus d'attaque en plus, ouais, nickel. Là, faut en profiter. Hein. Dans deux mois, tu joueras plus. Ouais, je sais pas. Hein. Apparemment, ce sucre, il veut faire de l'e-sport dessus. À voir, hein. Sur le temps des DLC et puis le jeu qui s'améliore. Allez, le KO, parfait ça. Oui. 4 ans avant la victoire. Allez, 4 contre 4. Je commence à bugger. Je suis, ils vont être lancés si je me tape. Non ! Ah, c'est bon, je suis pas tombé. Putain de merde, je suis pas tombé. Il y a un camion de fumigène. C'est une nulle la fumigène. Ah, il fuit. Oh non, le rouleau était pris. Ah, ils ont le rouleau. On a les deux sur. Touché. Et oh, il va skip. Oh quoi ? Mais j'ai pas pu me rattraper ? On défonce lui dessus. On le défonce. Ah, j'ai mon Camus de dispo. Il garde vers la fin, je pense. Je l'ai raté. Ah non, je crois que j'ai mis un mec là-haut. Ah oui. Go ! Touché ! Oh là là ! C'est le bordel ! C'est le bordel ! Meurs pas ce sucre ! Oh non ! Non ! Défaite, je suis mort ! Oh non ! Je crois qu'ils... Ah, ils en ont tué deux d'un coup, ouais. Bah, ce sucre, il est mort et je crois que je suis mort en même temps que lui. Je sais pas, faut que j'apprenne des techniques parce que tous les persos, peu importe lesquels jouent, ils ont des jutsu fils de pute. Comment ça? Tu joues qui là? T'as joué avec qui là? Genre quand t'es attaquant, l'espèce de pirouette toute pourrave là, qui pue. Il faut que t'es meilleur dans les maîtres. Ah, qui c'est qui est premier? C'est tout le temps moi quoi, merde. On est comme maître, tout le temps, que j'ai sa skim. Ah franchement, vous abusez là. Hein. Augmente le son du micro. Lequel micro les gens voulaient que j'augmente? Lequel? Salut Doui, je t'avais pas vu. Doudou, oui. Ah, suffit, cri rage. Non, ça va là, c'est tranquille. C'est tranquille. Non, mais en vrai, jouis-leur, sucre. J'ai jamais d'avis. Et nous avons monté en D2. D2, on est là. Caché, bleu tout à l'heure. C'est bon, qui change les putains de skills là? Il pue toute ta merde, mes skills, y'en a aucun bien. C'est Sakura. Si tu veux jouer combattant, je vais te dire qui c'est qui est en combattant. Je veux jouer distance, mais j'ai l'impression que ça pue sa mère. Ah, tu veux jouer distance? Mais prends Sasuke en maître. Sasuke, il a la technique du Enton là, c'est archi stylé. Et le Katon boule de feu suprême qui est grave cool aussi. Hein. Et après, il a le Kirin. Bon, le Kirin, c'est pas facile à placer, mais en PVP ça va. Si tu gères dans les petits endroits, ça passe bien. Invocation salamandre, Enton Kakutsushi, c'est pas... Ouais, c'est ça, Enton, c'est des espèces de flammes noires archi stylées. Rends d'entraînement. Distance, t'auras Deidara, qui est pas mal. Bras serpentin, ondulation. Et le Katon boule de feu suprême. Putain, ça pue sa mère en français. Katon boule de feu suprême, non, c'est archi stylé. Ah non, Vivi, c'est toi qui me dois un massage. Katon. Tu ramèneras ton huile là, la prochaine fois. Hein. Enfin, abusons pas là. Et baisse le jeu. Non, mais le jeu ça va, il est pas trop fort là. C'est que quand on est en partie, ouais, qu'il est un peu fort. Hein. Ah, vous voulez que j'augmente le son de ma voix? Mais après, il va être trop fort le son de ma voix, vous abusez, hein. Je crois pas. Hein. Il est normal là le son de ma voix. Alors attends, défenseur, j'ai débloqué des nouvelles techniques. On a débloqué... Ah, Lyon, tu devrais bientôt débloquer Shoji normalement. Ouais, il y est là, il a apparu. Il a le décuplement. Ouais, il a apparu. Si tu voulais. Et il a sa boule aussi qui est pas mal, ça.
Ondulation, c'est stylé. Et bras serpentin, en utilisant cette technique, l'utilisateur étend ses bras et repousse la cible. Il récupère autant de santé que de dégâts infligés. Il réduit la vitesse de déplacement de la cible. Oh, c'est stylé. Ouais, c'est ça. Du vol de vie. Ah, c'est grave cool. Par contre, c'est dur à placer, parce que s'il bouge, c'est en tout droit en fait. Ah, les deux ? Celui qui repousse et celui. Non, il y en a un, ça balaye de gauche à droite, et un, c'est tout droit. Ouais, bah je vais prendre celui qui balaye. On va prendre celui-là, accessoire. Non, et son ulti, il fait l'ermite Rikudo comme le dernier épisode de Boruto là. Oh, énorme. Énorme, putain, énorme. C'est pas encore Kirin quoi. Du coup, on joue avec la faux géante. Parce que de base, t'as l'épée, hein, l'épée longue. T'as le. C'est Samehada, hein, l'épée de. De Kizame. Ah ouais, c'est ça, mais c'est même pas celle que t'achètes, c'est même pas celle-là. Hein. Ah ouais, parce que là, c'est celle que j'ai, elle c'est pas est la vraie, nulle. C'est une réplique. D'accord. Tu peux la choper, la vraie, mais. Elle est super dure à choper. Ouais, j'imagine. Et après, en ça, j'ai pas grand chose en healer, j'ai pas. Poisson d'un R. Pourquoi j'ai cette tenue là? Elle est dégueulasse, cette tenue là, merde. Ah voilà, on met ma tenue là. Moi j'attends l'ultime de Kisame là. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est une espèce de requin géant. Je sais pas si il y en a qui l'ont. Ah bon, elle est toujours chez moi l'huile là? C'est quoi ce délire? Attendez deux secondes, je vais vérifier un truc. Genre elle est ici l'huile. Ah j'ai mal. Ah ouais. Effectivement, il y a toujours l'huile de massage. Elle est là, l'huile de massage. C'est marqué massage. Vas-y, qu'on lance une. Ah ! Mizuki devient méchant. Ah bon ? Non. Ah, commencez pas à spoiler les gens. Hein. Non, mais c'est pas un spoil, c'est ce que tout le monde pense, mais c'est pas vrai. Non, mais il m'a remis ma tenue dégueulasse. Elle est sérieuse, Sakura. Franchement, je vais t'insulter. Moi aussi, lance ta game. Eh ben attends, je change juste. Parce que là, ça va pas le faire. Si, si, il a pas le temps. Je vais me mettre mon truc. Ah putain, il m'a mis ma vieille tenue là. Qu'il fasse des vidéos pour se faire rembourser des 800 DF. Ah, il en fait 4 par jour des vidéos, con. Erzo, bienvenue, merci pour l'abonnement. Mec, il a 4 vidéos par jour. Enfin. Bah bientôt il va faire une enfin vidéo semaine, quotidienne prochaine. Ouais. Ça va tomber. Allez. Ah, il faut qu'on avance vite la semaine prochaine. Inscription. Je crois que je peux pas là. Certains membres ne sont pas prêts, il y en a qui sont encore Ouais, my bad, je suis en train d'acheter un truc. Et voilà. Ah bah toi, il demande et puis après je pue tellement la merde que faut que je sois au moins stylé, j'ai acheté. Comment ça j'abuse Victoria, j'ai pas compris. J'abuse pas moi. Ah, c'est quand que tu me la présentes, Victoria, Beverly et moi, Lilian? Je sais pas. Bah, tu sais pas que tu viens avec elle. Ouais. Ah, pour en parler maquillage. Par contre, interdiction de Ken dans ma chambre. Enfin, dans la chambre d'amis. Sur ton matelas qui sent le chien, là. Ouais, interdiction. C'est quoi le but des games que tu fais? J'ai rien compris. En gros, on est en 4 contre 4 et c'est du match à mort. En gros, on doit avoir 10 vies chacun, je crois. Et c'est celui qui tombe à 0 qui a perdu. Attends, je comprends pas. Je viens d'acheter une arme, mais je la trouve pas dans arme. Mais. Oh, mais attends, ça dépend parce que toutes les armes sont pas dispo pour chaque classe en fait. Ouais, ouais, pour voilà. Chaque classe. T'as acheté ouais, la voilà, classe. J'ai acheté ça, mais à dame et couilles là. Et c'est pour le type défenseur ça. C'est pour le type défenseur. Ah mon vieux. Les 3 premières, c'est pour le combattant. En fait, c'est par ce lot de 3. Ah non. Donc, les 3 premières, c'est combattant, après, c'est distance, après, c'est défenseur, et après. Par contre, les healers, j'aime pas le style d'arme de healer. Genre. C'est une épée aussi, c'est. Ah oui. Après, tout dépend de l'épée que t'as aussi sur le mode healer. Hein. Parce que. Bah, j'ai pris quoi? J'ai acheté le katana, l'espèce de katana. Ouais. Et l'espèce d'aiguille, et ils font des coups, genre en mode plein de petits coups là. Ouais, doit y avoir d'autres armes. Hein. Bah, Olicou, t'es pas obligé de rester, tu sais. Hein. Tu peux partir aussi, hein, si tu aimes pas le live. Ah, je l'ai vu son commentaire à lui. Ah ouais. Il a dit quoi? J'ai pas pu changer Minato la tenue, je sais pas pourquoi. Et Victoria, c'était bien ton huile là, que j'ai montré. Hein. C'est pas la mienne, ça là. Mais de lui. Oui, d'accord. Je veux ma revanche, il est en Extremis. On t'a donné une chance tout à l'heure. Oh, il y a Doui. T'es pas au niveau, ouais il est là Doui ouais. Il est là. Ouais Doui con. Doudou, doudou, doudou. Doudou, doudou, Doui.
Ouais, j'ai chopé la tenue de Mitsuki, okay. Ouais, mais c'est qui est healer? C'est toi. Ah bon? Je suis healer, moi? Ouais. Si vous voulez, je peux jouer healer, hein, mais... ouais. Non, non, mais moi, je peux... Ah non. Non, non, mais vas-y, je vais tester healer. On va faire une petite partie healer. On va tester. Ah non, le choc. C'est cool. Mais ESC, est-ce que le jeu vaut vraiment le coup? Comme j'ai dit, à plusieurs, ça va, ça reste sympa. En solo, tu vas vite t'ennuyer, quoi. Puis faut attendre, je pense. Ah, Théma, il y a un mec, il a la... Sucre, il y a un mec, il a la tenue du type qui te défonçait la gueule sur la partie. S'il s'appelle Santa, insulte-le pour moi. Merde, ah non, mais attends, il est parti chez Shikamaru, ouais, il va ressortir. Toute ma vie de son pseudo, lui, Santa. Santa pute. Ah, il est là. Ah, il y a une donation, justement, de 15€. Ah putain, la musique, elle m'a défoncé les oreilles. Merci Doui, gros. Il a dit 5€ réservé pour le PC à Victoria. Merci Doudou. Merci à toi, c'est gentil. Mais par contre, je réserve pas 5€, alors là, c'est hors de question. Hein. Ça, c'est mort, attends. Hein. C'est Sanchez qui a la tenue de merde. Ouais, c'est une cape multicouleur. Mais merci Doui, hein. Merci à toi, gros, c'est gentil. Tu regardes Nanatsu no Taizai? Ouais, j'ai pas regardé la saison 2 encore. Ouais, c'est une grosse merde. Alors il s'appelle comment? Il s'appelle Fox, le mec. T'es il rigole, disons. Non, il s'appelle Santa, l'autre. Ouais, mais lui, il s'appelle Fox. Non, c'est Sanchez et Ing. Non, moi je vois Fox, là, avec la tenue ici, là, Fox. Ouais, violette, bleu, noir. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je vois Sanchez et Ing. Non, ouais, Nanatsu, j'ai pas regardé la saison 2. Par contre, c'est comme dans la bêta, 6 hein. Siècles pour trouver une game. Ouais, là c'est abusé. Hier on en trouvait vite, hein, par contre. Théma en face, ils sont tous niveau 60. Ah, ils sont tous niveau 70 en face. Hein. Oh, ouais, c'est bon. Si c'est que niveau 14. On est day one, quoi. Si tu peux l'air à trouver des matchs day one. Après, c'est les serveurs Namco Bandai, quoi. Je suis pas perturbé sur ce serveur là. Ah, c'est bon. Ah, non, niveau 21, il est pour toi, Sucre. Ah, Doui, ce que je ferais avec les 5€ réservés à Victoria, c'est que je lui offrirais un 1000 check. Ça passe, non? Que dalle, tu méfies les 5€ pour des Dragonstone. Mec, t'as 40 000 donations sur tes lives. Moi, j'ai que dalle. Ouais, là, j'ai passé sur un de mes lives depuis écoute, un moment, hein, là, j'ai eu 15€ de Doui. À part hier, parce que bon, hier t'as c'est. T'as eu 60€ hier, bâtard. Mais parce que hier c'était Dokkan Battle. Voilà, c'était 3000 personnes sur live aussi. Mais en général, là, ça faisait genre un mois. J'ai même pas eu plus de 50€ de donations sur le mois. Qu'est-ce que tu me parles Et on l'a vu, mec. On l'a vu sur le mois. Hein. Je t'ai montré mes analytiques. Mais t'as de meilleures analytiques que moi, mec. Non. En vue, mais pas en argent. Non, en vue, t'as combien? En vue, j'étais à 900 000. Et là, t'as combien? Là, je sais pas, je crois que je suis à 900 000 encore. Je suis à 1 million. Bah là, t'as un tout petit peu plus et pourtant, t'as 200€ de plus. C'est pas normal, quoi. Je suis à. À 900 ou un truc comme ça. Ah, elle est stylée cette map, tiens, tu vas jouer dessus, regarde. Ah ouais, c'est la map, nickel. Okay. Mois d'août, 1016$. Ah, et voilà. Moins le network, moins les dollars euros. Pour 100 000 vues de plus, tu te fais 300 boules de plus que moi, quoi. Ouais, c'est normal, il fait de la qualité, ça. Ouais, la qualité. Oh, je me suis pas tiré de quoi. Toi, c'est la quantité, ouais, surtout. Allez, je vous tire directement dans leur camp. Hein. On peut pas tomber ici, stylé. Je vous bah, ouais, bon. Oui, on peut pas tomber, ouais. Ah, je vous quand même pas. Ah, je me suis fait défoncer. Ah, l'épouvantail, franchement, j'aime bien. L'épouvantail, l'éventail, pardon. Ta. Ah bon. Ah, on est bien parti. Ah non, je me fais éclater, désolé, le healer est mort. Ah non. Pas que non, le healer n'est pas mort, il a survécu. T'es où? Ah, j'ai survécu, je suis là, je whiz. Ah, ok. Nice. Ah, j'essaye. Je suis celui qui prend cher là. Ah, moi je tape, mais je ne touche jamais personne. Vas-y, tu joues ça dedans. T'as du heal? Dommage, il y a un parchemin à les récupérer. Va chercher le parchemin dessus. Ah, super, ça fait super fort. Je peux pas. Ah, je sais, mais je peux rien faire. Je peux rien faire, je me fais assassiner là. Ah, je me suis fait assassiner. Ah. Dur. Putain. Eh ouais, mais faire les dégâts, ce sucre là. Moi, je veux bien te heal, mais bon. Ah là, c'est stylé ce moment. Mais la merde, mon personnage là. Mais prends pas ton perso, prends les persos du jeu là, au pire.
putain. Dégueulasse, frère. Prends les persos du jeu, au pire, tu t'en fous de prendre ton perso pour le moment. Horrible. Ah, je me fais de l'épée. Ah, je pourrais pas venir t'aider, mec, t'es trop loin. Si, je vais voir, on s'en tire. Je te heal comme je peux, mais voilà, t'es mort, et là, je me retrouve à 1 contre 4. C'est pour ça que le heal, là, il est nul à chier, celui-là. Enfin, il est bien, parce qu'il fait toute la team, mais tu peux rien faire, maintenant. Ah, tu chopes le heal de Kabuto. Ah, je suis en garde, t'es là. Oh là là, je suis mort alors que je suis en garde. Ouais, ah, mais c'est niveau aussi cool. Ah, faut pas que je joue healer, hein. Du coup on a pas de dégâts dans la team si je joue healer. On a pas de dégâts si je joue healer. On a pas fait un kill, hein. Et... Waouh. Wow. C'est même pas marrant. Oh, ça m'a one shot, c'est quoi ça? Henri Kudo, je te dis, c'est gros. Il est mort, il s'est fait rouler dessus. Je me suis fait expulser comme jamais. Il est arcadé. Ouais, mais là ça sert à rien. J'ai l'impression que j'avance à 2 km/h. Ouais, c'est ça. C'est bon, je l'ai immobilisé lui. Vas-y. Ah, c'était un top, c'était un top. Oh, il est là. Je suis. Vas-y. Oh là là. J'ai mon ult. Il est chiant lui là. Voilà la caméra là. Voilà, je suis bien en démon lui. Non mais je suis en train de... Regardez mon flash, je vais mourir. Ah, oh là là, non. Aïe. Ah, Susuk, tu vas jouer healer, hein, parce que là, tu sers à rien. Mais mec, ce jeu sert à rien, tellement il est mauvais, mec. Là, c'est plus possible, là, Sucre. Ce jeu est nul à chier, mec. Mais non. Il est pourri, ce jeu. Mais ouais, non, dis pas ça. Il est développé avec une couille à droite et une partie d'anus de l'autre côté, mec, tellement il est nul. Non. Tu sais que c'est le jeu de l'année, hein. C'est toi qui l'as dit, hein. C'est le jeu de l'année, c'est toi qui l'as dit, en plus. Ah ouais. Le jeu de l'année 2001, quand la PS1 venait de sortir. T'as dit que t'allais faire de l'e-sport. Ah ouais, de l'e-sport. Je vais e-sporter le cul du gars qui a fait ça, ouais. On peut avoir le Susano, ouais, Merci Shadow Ninja. Salut. Pour l'abonnement. Ouais, bah oui, il y a le Susano quand tu as un maître Itachi. Ah, et je crois qu'il y a même un Sasuke qui te permet de l'avoir parce que j'ai vu le Susano de Sasuke aussi. En rouleau de valeur. Ah putain, tu casses les couilles à aller dans tes rouleaux là à chaque fois là. Un rouleau de valeur. Non mais l'ouvre pas maintenant, on relance. En rouleau de valeur. On l'ouvre après, attends, je lance. Ah bah Shadow Ninja, bah bienvenue hein, si t'es nouveau. Genre je vais pas pouvoir lancer, voilà. Voilà, l'autre débile là qui allait. Rouleau de valeur, attends. Ah, tu casses les Oh, le bas des nuages, quoi, incroyable. Vraiment un jeu dégueulasse. Vraiment, t'abuses. Il y a que Tenten qui est bonne dans ce jeu. Ah, rien que pour ça, je vais ouvrir le mien. T'es sérieux? Bah ouais, t'as ouvert le tien, alors j'ouvre le mien, quoi. Ouais, j'y vais pas, parce que... Le jeu Black Clover, il est pas sorti, je peux pas en faire. Il est pas sorti. Il sort pas, lui aussi, plus sa mère. Non, le mode histoire va être cool dessus. Au moins, lui, il a un vrai mode histoire. Ouais, alors, Ayutthaya, même Kobanda, ils font que des jeux de merde niveau manga. C'est incroyable. Ouais, il y aura que One Piece qui va être vraiment ultra stylé et Fighters qui était bien aussi. Oh, Nanatsu, c'est une diarrhée. Non. Shinobi, c'est une diarrhée. Non. Oh, Dag de Chakra. Oh, il a tenté de faire un let's play sur Nanatsu. Ah, l'épisode 6 ou 7, tu fais. Oh, t'es sérieux, continue à faire des let's play sur Nanatsu. Ils font 3000 vues tes vidéos. Ouais, mais j'aime bien le jeu et tout. Bizarrement, après ça, plus aucune vidéo. Non, il était bien le jeu en vrai. Ouais, il était ah, bien. Ah, fallait chasser, enfin trouver des pièces et tout avec le cochon, avec Hawk et tout. C'était trop stylé. Trop stylé. Ah, tu te promenais sur le cochon géant. Vas-y. C'était un jeu PS1, mec. Ah, les combos, ils étaient poussés et tout. Enfin, je sais pas, il y avait une vraie technicité, tu vois, dans les combos et tout. J'ai même plus cédé. Non, moi j'ai pas eu de cédé. Bon, du coup, on joue qui là? Je vais reprendre Kakashi ou. Non! J'ai pas pu choisir, ça a lancé direct. C'est quoi cette blague? Gagne pas mal. My Hero Academia, tu verras en octobre, tu changeras d'avis sur lui, c'est une tuerie. Hein. Ouais, je vais changer d'avis alors que je l'ai testé. Oui. Je dis pas qu'il est nul, hein. En vrai, j'ai bien aimé y jouer.
J'ai bien aimé. Oh, oh Nanatsu, il est nul. Shinobi Striker, il est nul. Ils ont fait quoi encore Namco Bandai récemment? Oh, le seul bon jeu qu'ils ont fait, c'est Fighters. Non, mais retenez bien ce que je dis sur My Hero Academia. Le jeu est lent. Le jeu est très très lent. Il est stylé au niveau des animations et tout. Mais en fait, t'as l'impression que c'est un Naruto Storm du pauvre. C'est Naruto Storm du pauvre, vraiment. Du coup, je suis qui là? Je suis healer encore? Ah ouais, je suis healer encore. Non, non, mais je vais pas jouer healer parce qu'on a pas de dégâts. Bah attends, je vais jouer healer au pire. Je vais prendre quelques dégâts. Ah, je peux pas changer. Ah, c'est quand on meurt. Ah, ouais, faut attendre la première mort. Ouais. Non, arrête. Ah, t'es capable de le faire. J'ai failli sauter dans le vide. Prends ça, Skellion. Non, mais les distances, je sais pas. Ils sentent un peu l'orteil à les distances. Ah, le seul bon jeu qu'ils vont faire, c'est Jump Force. Ils font deux bons jeux par an. Et encore. Lui bon jeu de merde. Et encore, est-ce qu'il sera vraiment si bon que ça? Ils sont sur le truc là. Ah oui, il faut aller sur le parchemin. Et ouais, mais ils ont fait un bouclier et tout quoi. Je vais le faire aussi. Tout seul dessus. Je te heal. Ah là, du coup, ils ont. Ah, j'étais paralysé. Merde. Ah, t'es paralysé? C'est bon, j'en ai paralysé aussi. Paralysien, ils sont connus. Non, paralysé 1, j'ai dit. Un là, et t'es mal la santé t'as... Oh là quand t'es en mode healer. Oh là, mais... Quand t'es en mode healer, t'as pas de vie. Tu manges deux patates, tu meurs, voilà. Là c'est nul le mode healer. Je veux pas jouer en healer moi aussi là. Pourquoi les minettes là? Je voulais changer, j'ai pas pu. C'est où qu'on change là? Voilà, c'est là. Ah ta mère le radis putain. Ah mais du coup je suis obligé de prendre un truc déjà tout fait en fait. Ah, putain. C'est dingue ça. Tiens, c'est un bon jeu vidéo, ça a été bien développé, ça se voit, putain. Mec, c'est la crème de la crème qu'a conçu ce jeu, t'es sérieux? Ouais, ouais. Quoi? Touché. Ah, j'ai pris cher. Ils arrivent! Mais je peux pas changer de perso, putain! C'est trop long, il est trop bas mon cooldown! Toi je t'ai eu. Enlève la caméra Lilian. Il va mourir. J'ai plus d'heure. Non mais en vrai prends pas de healer, ça sert à rien. Même eux, si j'ai des attaques avec moi, j'ai pas que des Ah, ils sont tous dans le bouclier là. Oh, je l'ai pas tué. Oh putain, j'ai l'impression que je lui fais zéro dégâts lui là. C'est normal. Ouais. Ah, bien la caméra, bien, quel beau jeu. Wow. Ouais, ouverture de la porte de la mort. Oh, quel développement. Oh, c'est chaud. Commencez pas à faire les folles. Oh le kill. Oh là là. Ah il a fait mal celui-là. Il a fait mal celui-là. Ils sont combien en face? Je sais pas du tout. 60, 70, 90 je crois. Mais on n'a pas fait un kill encore une fois. Ça se passe bien hein, nos lives multijoueurs se passent très très bien à chaque fois. Hein. On est trop bon, on veut pas le montrer. Ah je crois que c'est ça. Hein. Sucre ce soir. Toujours dernier ce soir Sucre. Hein. Mais je me suis suicidé deux fois mec. Ah, t'abuses. Pour changer de perso. T'abuses. Oh, j'en ai vu des jeux de merde. Mais alors celui-là, avec Nanatsu, je sais pas où est-ce qu'il se tire la bourre, mais... T'as testé Black Clover ou pas, toi, en fait? Non, pas, j'ai pas fait la bêta. Non, non. Il y avait une bêta ouverte, t'aurais dû tester. Ouais. Ouais, ouais. J'aurais dit quoi? Encore un jeu manga de merde qu'ils ont développé? Moi j'aimais bien parce que du coup je défonçais tout le monde avec. Je prenais Magna là, tu sais le mec à la batte de baseball en feu là, et. Ouais. Et du coup, ah, il était trop fort. Il était vraiment trop fort lui. Mais après, ouais. Ah, j'ai des rouleaux banals. Ouais, mais attends, attendez avant d'aller ouvrir. On dit je pas des rouleaux banals, on dit des rouleaux banaux d'abord. Ouais. Et banaux panier? Panier piano. Ouais, panier piano. Non mais Bano... Panier piano. Dis Bano panier. Non, dis panier piano. Panier piano. Et un panier piano mange son panier dans son piano. Ouais, ça veut rien dire ça. Laisse-moi changer. Et je prends un rocli pour tester. Tu tournes en rond sur ce jeu. Bah tu fais un peu la même chose quoi. Bon, je joue healer.
Tu fais un peu. Non, mais en vrai, prends pas de healer, faut qu'on tape un vrai. Non, mais j'ai pris Kabuto. Ouais, mais j'ai l'impression que même les healers. Des fois ça sert, des fois rien du tout. J'ai l'impression que tu prends 4... Tu sais, parce que Kabuto, il heal tout le monde, mais tu sais, il utilise une fois le chakra, et ouais. Après il peut faire ce qu'il veut, et ça heal au fur et à mesure. Ouais, parce que j'ai l'impression, les combattants, toujours aussi pétés hein, qu'au tout début. Le meilleur jeu Naruto pour moi, bon, je sais pas, mais Storm 4 était excellent, quoi. Storm 4 était excellent. Ouais, ben on aimerait bien gagner, hein, mais bon. On n'a pas le talent, la collectivité, le collectif pour aller chercher la victoire, il semblerait pour le moment. Mais ça va venir, ça va venir. Économise les relots puis fais une invocation. Bouah, ouais. One Piece Burning Blood, il était vrai. Encore un bon jeu de merde aussi, ça. Ah ouais, ça c'était Burning vraiment... Blood. Oh, c'était pas le pire jeu de combat qui existait quand même. Bah, il y avait pire. C'est un des pires jeux One Piece par contre qui est jamais sorti, quoi. Ouais, mais le mode histoire était bien, ouais, si ce n'est qu'il y avait que Marineford. Il y avait que Marineford. Ah ouais, c'était ont... horrible. Ouais, ils ont sorti un jeu, ils ont dit enfin mode histoire, ok, on m'en fait qu'un arc. Ouais, ok, ouais, bien joué. Oh, le brainstorming incroyable. Wouh. Ah, il y avait que Marineford, ah, quoi. Ouais. Chez le mec, hein. Le seul avantage qu'il avait, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages. C'est tout. Après, après, mis à part ça, ouais, c'était pas ouf. Mais j'aimais bien aussi graphiquement. J'aimais bien. Alors là, par la puissance de Barbe Noire. Une boussole. Elle a bien, sinon ce week-end, rien du tout. Ah ouais, ouais, vas-y, on va reconcentrer. Ah, là... Je me concentre, mais j'arrive pas, le jeu est nul. Ils arrivent. Ils sont sur le parchemin. Ben en fait, ouais. S'ils avaient pas mis un mode de combat, non, de mode de combat sur les murs, ben la caméra elle serait pas si hachée que ça. Hein. Ah ouais, j'espère. Des fois, j'ai les ennemis qui m'attaquent, je sais même pas d'où, je le vois même pas comment la caméra est petite. Waouh, 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 il se passe quoi là? Non, mais attends, t'aurais vu ce qui vient de se passer là? What the fuck? J'ai rebondi dans tous les sens, j'ai pas compris. Merde! Boum! Oh là là, c'est quoi la shuriken qui lance ces gros machins là? Sans déconner. Ça, ça fait une lave de gueule. Ah, oh, c'est bon, je suis tombé. Il y a une manette qui va voler. Hein. Ah ouais? À ce point? Ah ouais. Ah bah là, je veux dire, je peux même pas me rattraper au mur. Genre, je suis sur le mur, je glisse et puis je tombe jusqu'en bas. Touché. Toi tu prends pas le parchemin toi, t'es qui toi? T'es qui? Aïe aïe! Ils m'ont soulevé là. Je comprends même pas où je suis. Des fois c'est tellement ridicule. Les mecs sont dans le bas, tu vois le point rouge et tu vois pas le perso tellement la cam elle est dégueulasse. Oh, j'ai hâte de voir la note sur jeuxvideo.com, s'ils dépassent 12. Ils ont pas mis de note encore? Je comprends pas. Bah, il me semble normalement. Ah ouais? Oh, normalement, ouais. Ah bah, logique. Plus de 12, c'est des vendus. Vu que le jeu est sorti, normalement, ils sont censés avoir mis 9, quoi. Au-dessus de 12, c'est des vendus, 100%. J'ai vu essayer acheter par Bandai Namco. Oh, Pierre Adrien, il a donné 300$ pour la vidéo. Ah, putain, il m'a mis un tonne. Oh là là. Je tape, j'ai beau taper, mais alors. Touché. Oh, je suis paralysé. Ah, je suis bloqué. Oh, putain. Mais c'est dingue qu'eux, ils arrivent à placer leur truc, là. Oh là là, deux fois que je tombe dans le vide. Le mec il m'a envoyé sur la cascade qui tombe là et. Ouais, froid. Mais c'est qui joue, c'est qu'on connaît le jeu, c'est pas possible. Oh, oh j'allais. Ah, oh, j'allais caser mon ultime, j'étais trop content. Et un Chidori m'a transversé. Ah, le Chidori oh, il fait là, mal. Là, là, le Chidori il fait super ouais. Mal. Ah, j'ai envie de tweeter à Namco Bandai. Oh, vos jeux ils puent la merde. C'est des jeux de mort, putain. Tu sais qu'ils ils avaient fait ben, la bêta il y a. Ouais, toi tu dégages. Genre il y a un mois de ça, c'était pour faire en sorte qu'on donne notre avis et qu'on améliore le jeu. Il a jamais été amélioré, hein. Il a même plus qu'un an. Ah oui, c'est la même chose. Genre il avait repoussé le jeu, souvenez-vous, il avait repoussé. Hein. Sérieux ? Ils l'ont repoussé parce qu'à la base il devait sortir genre en mars, un truc comme ça. Ah, lui aussi, il a disparu. Il a enlevé du store. Ouais, mais apparemment, il est revenu, apparemment. Ah bon, encore ça? Il y a 2-3 jours, là. Ah bon? Ouais, apparemment, j'ai pas relancé, tu sais qu'il est toujours installé, moi. Ah, je vais try, il y a des mecs, ils ont payé des paquets. Ah, ils sont dormis, les gars, go, ils sont dormis, ils bougent plus. Ouais, j'avoue, quoi, il y en a, ils ont payé, j'avoue, et... Ah non.
Ah, j'ai jamais vu ça, le jeu, ils l'ont arrêté. C'est hallucinant, ça. Ah putain, il sort d'où ce Katon? Oh non. Oh le Kirin. Ah, c'est bon, ça a mis des mecs là-haut. Mais moi, je me téléporte et tout, je comprends pas. Allez, ça dégage, ça. Ouverture de la 7ème porte. Oh, on a fait à moins de 3, j'en pêche. Comme moi. Pas là, on a pas. Oui, faut le touché. Quoi? Ah, je l'ai mis KO, mais regarde après. Je l'ai mis après KO. Je me suis fait déglinguer par un shuriken. Ah, dommage. La caméra fait une crise d'épilepsie. En fait, hein. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, tu pars en full combattant et basta. En fait, le jeu, combattant. Tu joues combattant, t'as masse dégâts et basta. Ah, c'est ça aussi, c'est mal optimisé entre guillemets en classe. Ouais, c'est pas équilibré, ouais. C'est pas équilibré. Ouh, j'ai fait 600 dommages, j'ai fait que spam mes touches. Oh, tu sers à rien, gros, t'es là, tu nous fais perdre toutes nos parties. La tête de ma mère, tu sais quoi, le bon coin, je vais mettre le jeu en vente. Avec la. Avec le. Merde, comment ça s'appelle, l'emballage presse? Avec l'emballage presse. Ouais. Tu sais que j'ai quand même un mec sur Snapchat, il m'a demandé pourquoi j'achetais des jeux de PlayStation 1 à l'époque, quand j'ai mis la photo avec le jeu. Il m'a dit pourquoi t'achètes des jeux PlayStation 1. C'est dur, hein. Bon, on se fait une dernière. On se fait une petite dernière. Ah, oh, bah tu sais. Bah vas-y, on essaye full attaquant. On fait une dernière full attaquant. Mais moi j'ai que des skills de merde en attaquant, c'est la tornade. Non, bah, prends Naruto en personnage. Prends Naruto, moi je prends Rock Lee ou Kakashi là et Rock Lee il est pas mal et je vais regarder qui est en combattant. Je vais prendre Kakashi moi. Vas-y choisissez là. C'est un distance Kakashi. Non, c'est un combattant corps à corps. Ah bon? Ouais. Ah, il est trop fort Kakashi, je le kiffe. Ah ouais, en fait depuis le début il y a que 3 combattants. Ah ouais, il y a Naruto. Ouais. Et pourtant il manque plus de 3 persos débloqués. T'auras Boruto je pense. Peut-être ouais. Boruto en combattant. Même Hinata elle est healeuse. Ouais normal ça, logique. T'aurais plus mis défense. C'est logique. Oh je vais prendre Shoji tiens. Pas un combattant mais il a dit. J'ai l'impression que depuis les Storms ils ont pas chômé. Comment ça ils ont pas chômé? Ils ont un peu chômé sur ce jeu. Ils étaient sur YouPorn pendant 3 ans mais ils sont sur YouPorn. Ils sont tous dessus, là, regardez Mia Khalifa, mec. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ah, désolé, je t'ai coupé la. 5 au lieu de faire celui-là. Je t'ai coupé la parole, monsieur le sucre. Ah non. Bah... Et prenez attaquant. Je sais pas, t'as dit j'ai l'impression, et. Ou je pense, ou je sais pas quoi, et. Du coup, j'ai. Ouais, prenez attaquant. 18-3 le jeu, non. S'il y a mis 18-3, non, un peu, je vais être. Non. La note du jeu 18,3, c'est impossible, vraiment. PES, il a eu 17. Non, c'est vraiment impossible. Non, soyons réalistes, il mérite pas 18 à le jeu. En vrai, il mérite, ouais, je pense 13, 14. Ah, il a pas été noté. Ah, il y a eu 3 avis sur le forum. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a écrit 18-3, mais c'est les avis des gags de 8 ans et demi qui ont 0 de. Ah, oui, sur Play 4, ouais, je vois. Très bon jeu Naruto. Pour moi, la création de personnages, les combats d'équipe, les maîtres, selon moi, ce jeu n'a rien envie à Storm, car ce sont deux jeux différents. L'un est du pur combat. Très séduisant, un jeu qu'on attend depuis très longtemps. Très bon jeu à tous, en espérant qu'il y aura des mises à jour pour pouvoir approfondir. 20 sur 20, il a mis. Oh, Alejandro Rojo 7, la tête de ma mère qui est trisomique. Comment on peut dire ça, mec? Il est trisomique. J'ai pas d'autre explication à ça. Ah, il y en a un, c'est CCOM13, il a mis 19, c'est bon, j'ai compris. De l'OM, c'est compréhensif. On l'excuse, il a une tare déjà de naissance. Ah ouais, non, j'avoue, 19 sur 20, ils ont un peu forcé. Attends, et Gamekult, ils ont pas. Gamekult, il y a moins de personnes qui va sur Gamekult que sur ma chaîne YouTube, mec. Ouais, non, mais certes, mais bon. Sur Twitter de. On va voir quand même s'ils ont mis une note ou pas, parce que bon. Ils ont peut-être mis une note aussi. J'accepte. D'accepter les cookies. Toi aussi. Ouais, casse-les. Attends, PES, ils ont mis 7 sur 10 à PES. Ouais, bah, qui niquent leur grand-mère. Gamekult, ils sont 10 sur leur site. Ouais, y'a même pas de note sur. Merde, que j'ai fait. Oh, personne il a noté ce jeu. Oh, personne le note. Ah, ils veulent même pas le noter. Ah, c'est trop dangereux, ils se sont dit, ah non, ça c'est cancer pour le site en vrai. Ah, ouais, non.
15 sur 20, 15 sur 20 les gars, vous êtes quand même un peu gentils. Oh là là, je me suis bouillasse. Tout l'attaquant, on va les défoncer le sort. 100% la gamme. On va pouvoir m'expliquer, c'est pas vraiment une ancienne gamme, mais c'est moi qui prends des dommages. Alors que moi qui l'aurais au sol. Ah, ils ont pris des rouleaux par contre. Merde. Ah oui, on l'a gangbang. Ah, il chante. J'ai fait cher. Je vais maintenant faire pierre là. Boum. C'est bon, KO. Je lui ai mis une attaque. Éclair profondeur. Éclair profondeur de Kakashi. Ah ouais, super, ah ouais. Ah ouais, la webcam. Oh. En vrai, c'est ça, je crois. En fait, le jeu, il y en a qui voit webcam. Ouh, j'ai mangé un katon, je l'ai pas vu venir lui. Mais Shoji, il est méga bien. Ouais, Shoji, il était bien dans la démo déjà. Ah, mais Naruto, il nique des merdes. Oui, Naruto, il nique des merdes. Bah, il fait des dégâts, Naruto. Il est 100 fois plus fort que le perso. Eh oui, non, mais je t'ai dit, full attaquant, on va tout défoncer. Full attaquant, c'est grave stylé. Oh non, mais attends, comment c'est possible? C'est quoi ce jeu? Tiens, mais il est développé par qui? Par la Katsuki. Par les mêmes mecs que... En vrai, tu sais qui c'est qui le développe? C'est les mêmes mecs que Nanatsu. Ah bon? Ouais. C'est le même... Bon, c'est Namco Bandai, mais c'est les mêmes mecs qui ont travaillé sur Nanatsu en plus. Ah, ils ont dit pas, les gars, votre jeu était tellement bien qu'on va vous faire développer une grosse licence de Livebot. Y aller. Oh, c'est des génies. Ah, ils vont en rouleau, ils vont en rouleau. Ah, le rouleau. Oh. Ah, je me fais pétard. Non, j'ai un mec sur moi, là. Oh, quoi? Chut. Faut pas les laisser prendre le rouleau, Ah putain, il m'a mis un katon, il s'est gavé de ouf, je voulais aller dessus. Aïe. J'ai pris le rouleau. GG gros. Ah, sucre, toujours présent. Ah, il est là, en mode attaquant, ouais, ça y est. Ah, ça mérite peut-être un peu plus ce week-end alors. Attends, bouge pas, on va faire mes kills là. Ah, dès que ça part l'argent, il est là. C'est une merde, je forcément, en même temps. Oh quoi? Plus de batterie dans la manette, la thune de l'air. Boum. Oh là là, ce qu'on vient de dire. J'ai fait un Rasengan dans la tête, frère. Mais t'inquiète, je l'ai paralysé aussi avec le mille oiseaux là. Tous les développeurs, même si on est bien. Et voilà la victoire. Et voilà, là on s'amuse. Non, c'est trop bien, on rigole trop. Une heure et demie de live pour une bonne game. Ah, moi je dis on en refait une deuxième game parce que là c'est pas possible. Faut confirmer, hein, On peut pas rester ouais, sur ça. On prend les mêmes persos. Et regardez qui c'est qui est en 6-0. Le 6-0. Et alors là, dès qu'on a un bon perso, quand je dis que le perso il pue sa grand-mère. Voilà mon gars, on est first dès qu'on joue sérieux, qu'on sait qu'on a des donations la semaine prochaine. Mais... Ah, ça monte à 250. Oh oui! Attends, on va refaire une game. Pareil. Attends. Il y a une nouvelle figurine à payer. Mais... Oh là, je l'ai allumée, elle est incroyable. Ah, il y a quand même jeuactu.com qui a dit Naruto Boruto Shinobi Striker, on y a joué et ça sent la grosse défaite. ils ont dit ça. Ouais. Vas-y. Allez, on s'en fait une dernière comme ça là, full attaquant. Hein. On repart sur les mêmes bases. Jeu avec tu, ouais. Par contre, je vois pas si où c'est qu'ils ont mis la note. Ça sent la grosse défaite. Ouais. Oh, quel respect. Ils ont mis ça. Non, alors, il sera bien qu'ils ont mis, je sais pas, ils l'auront patché 18 000 fois et puis amélioré la caméra et puis. Non, en PES, ils ont mis 17 sur 20, ça va. J'hésite, PES. Il est bien du coup, c'est sûr ou pas? Parce que j'ai pas tout regardé pour l'année. Putain, il nique des mères. Ah, j'ai envie d'y rejouer après là, j'ai envie d'aller. Il n'y a pas le test de Naruto non plus. Ils ont pas de test sur ce jeu, c'est abusé. Hein. Oui, tout le monde s'en branle, il y a zéro com. C'est jamais vu un jeu Naruto qui sort dans un anonymat à ce point, tu vois. Putain, ouais, déjà, ouais, j'avoue. Non, chaud, en fait, c'est tu peux toi-même voter, mais c'est tout. Oh, il y a que les ricains qui sont hype par le jeu là. Je vois les ricains là, ils s'éclatent dessus sur le jeu. Ils disent c'est le meilleur jeu de l'histoire. Non, ils abusent. Franchement, ils forcent. Il est bien, enfin, il est bien. Il est normal quoi. Mais il est pas. Les youtubeurs ricains, mec, je te jure, la PS360 HD1, je sais pas trop quoi, là, il a à fond dessus. Afro Senju, là, pareil. Attends, Gameblog, est-ce qu'ils ont noté le jeu? Non. Je pense que je vais partir sur Storm 4 après pour me... Aucune note aussi. Bon,
y a personne qui l'a noté le jeu, quoi. C'est incroyable. Pour me changer les idées. C'est abusé, quoi. Lilian, tu mets combien? De quoi je mets combien? Ah, vite, prenez attaquant. Attends, tu sais que c'est une blague? Tu sais ce que je vais voir, mec, sur... Prenez attaquant. Tu sais ce que je viens de voir sur le site de Gamecult? Non. Sur Naruto, Tuboruto, Shinobi Striker? Non. Moi vivant ne lira pas de critique sur cette page. Quoi? Mec, t'as bien entendu. Moi vivant ne lira pas de critique sur cette page. Ah bon. Regarde. Mais ouais, non, il y a un gros manque, quoi, déjà de communication autour du jeu, et puis même, il est pas fini, hein. Clairement. Ils l'ont repoussé de 6 mois, mais. Il a jamais commencé. C'est un mec qui l'a lâché des 1P entre deux discussions. Si, en 6 mois, il y a eu une amélioration en 6 mois, la caméra où quand tu loques quelqu'un, c'est affiché en rouge. Voilà. C'est la seule amélioration. Ah, c'est la couleur. Voilà, la couleur. Voilà. Après, mis à part ça. Wow. Combien je mettrais si je mettais une note au jeu? Couleur, c'est cool. Ah, si je mettrais une note au jeu, je pense que je mettrais 11 sur 20. Je mettrais 11 ou 12 sur 20. Parce qu'on rigole bien. Ouais. Après, en vrai, tu peux pas tout lui enlever. Je pense que je mets 12 parce que on va pas se mentir, on critique beaucoup le côté gameplay, mais le côté personnalisation, etc., il est quand même plutôt cool. Le côté coop aussi peut être sympathique. C'est vrai que c'est le multijoueur où on pète un plan, mais le côté coop reste quand même séduisant, j'ai envie de dire. Donc on va dire 12, vraiment 12, mais pas plus. La victoire, et après on se capte, qu'est-ce que tu veux. Il y a un truc qui a choqué. Qu'est-ce qu'il a pris d'après vous? Je l'ai pas pris. Par contre, il y a un mec qui joue à distance depuis sa base là. Ah, mais ils ont le parchemin sur. Ils sont deux là chez eux là. Ils ont le parchemin. Ah, ils ont mis le. Et ouais, ils l'ont eu. Faut tuer le healer là, du coup. Le healer là, on lui fait pas de cadeau. Hein. C'est toi, tu fais le fou là avec ton pain. Oh, j'ai full bugué. Oh, je suis full bugué. Oh, le jeu de merde. Non, mais. Ah, je suis Kébo. Oh, mon mille oiseau qui est parti. Je suis bloqué, je pouvais rien faire. J'ai mon mille oiseau qui est parti complètement dans le vent. Mon Rasengan, j'ai tapé dans une tuile. Ah, c'est sûr que tu m'as menti, tu m'as dit que c'était un bon. Jamais de la vie de racheter en vrai, hein, on parle rien. Hein. Tu mords, je sais pas comment. Faut tuer leur limace là, faut tuer la limace là, elle leur donne du heal. On est tous morts. C'est qui? C'est la limace là. Ils ont posé la. Oui, la limace elle donne du heal à tout le monde. Tu la poses, c'est une invocation, donc tu la poses bien loin. C'est ça qu'il faut prendre alors. Et elle heal tout le monde en fait. J'ai cramé, ils ont tous le bonus vert. Oh là là, Théma, ils ont la limace, ils ont un bonus, Théma, le bonus qu'elle donne, ils sont tous violés autour. Ah, le Kirin il peut être pas mal. C'est SM de Tsunade, ça. Par contre, je peux pas y aller solo, hein, je vous attends. Qui qui lance des Kirin? Ah non, ils ont tout esquivé, j'y crois. Ah non, GG le doublé. Il y a eu un doublé. En où? Il est où le mec? Il est là. Boum. Ah mais à chaque fois il me demande ça le mec sur les lives. Il est bourré. Ah, chez toi il fait jour. Chez toi il fait jour, il est quelle heure? Oh quoi, ça me touche quand même quand je suis là dedans. Oh là là, je suis tout seul. Touché. Non, t'es pas tout seul. On est là, on est en place. Ah putain, il a reposé sa limace. Oh, ultimate. Oh, il a plus cher. Oh regarde, il a vu sa grand-mère et tout dans... Oh. Allez, 4 pour gagner les gars, on va le faire. On avait mal démarré, mais là on va le faire. Ah, il faut aller chercher le parchemin. Oh, vous savez que Naruto il peut voler? Ouais, moi pareil avec Kakashi. Mais tu sais que ça c'est que les attaquants qui peuvent faire ça. Ah ouais, en fait, tu mets ta sur carré, tu voles. Ouais, tu c'est ça. Et t'as que les attaquants qui peuvent faire ça en fait. Ah ouais, je comprends quand t'es en distance de chase dans les airs et tout comme ça. Ouais, t'as que... c'est abusé. C'est pas bien. Ouais. En fait, c'est un focus quoi. Ouais. On a le parchemin. J'ai pris là. What? Bim! Il me vole. Ah, je suis Keblo. Les gars, je suis bloqué dans un sort là, je sais pas ce que c'est. Je vais mourir. Il y a Fornac.
Faut tuer cette. Faut tuer la limace, hein. Faut tuer la limace de mort là. C'est bon, elle est morte. On peut revenir. Ah, ils sont 3 contre moi là. Cool, vol. Oh! Ah, j'ai été pris dans l'astre. Oh, ah, l'astre divin qui m'a détruit. Moi ah. aussi, frère. L'astre divin qui m'a explosé. Ah, l'espèce de pierre qui colle au sol là. Non, non, ouais, c'est ça. Ouais, elle te soulève ouais. Et elle te colle au sol. Ah, ça, mec, c'est n'importe quoi. Hein. Ah là 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 là. Plus sa mère ce jeu. Oh, l'astre divin, il a fait trop mal. C'est abusé. Je vais te rembourser. Ouais, c'est abusé. J'espère que t'es haut dans le classement. Ça rejoue de 50, sinon tu perds 100. Je suis premier, mec. 100%. En fait, on était bien revenus. Hein. Oh, vous êtes tous nuls à chier. Ça, je suis un 2-2, moi, ça va. Hein. Oh, vous êtes Krenzouz. Mais vous êtes Krenzouz. Ah, il est trop bien ce jeu. Non, pas de Dokkan ce soir, les gens. On en fera peut-être demain, ouais. Peut-être demain, mais pas ce soir. Hein. Bon, est-ce qu'on... La semaine prochaine, il y en a sur Live de Sucre. Est-ce qu'on on refait une dernière des dernières des dernières? On s'en refait une dernière? Je suis toujours premier, vous êtes pas bon. Allez, une dernière des dernières. Ouais. Hein. C'est parti. Mais en même temps, le mec qu'on s'est tapé avec nous, il était nul, il a fini dernier aussi. C'est pour ça qu'on a perdu. En plus, il me semble que si je fais cette partie, je débloque l'ultime de Kisame. Non, oh, mais donc, j'ai 1108 points, vous êtes à 300 points de moi, mais vous disiez quoi là? Yeah. Je suis dégoûté parce qu'avec Kakashi, tu peux pas. Ton ultime, tu peux jamais le lancer quoi. À part si la partie est longue, mais sinon, tu peux pas. Il met trop de temps. J'ai chopé une. Je l'ai toujours pas. Là, ah, le. Complexe, on peut gagner des petites capacités Ouais, peut-être, je sais pas. J'ai chopé le tourbillon divin, je sais pas qui c'est. Non, non, je fais vraiment la dernière là. C'est vraiment la dernière ça. Faites gaffe. Apprenez attaquant, oubliez pas. Non, ça c'est orbe tourbillonnant. L'orbe tourbillonnant géant. J'ai jamais entendu en français. Moi sur Canal. Lilian change de tenue, il y a des passifs dessus. C'est pas que esthétique. Attends, je... Ah bon, Nispas ? Non, non, il y a pas de passif dessus, si tu racontes. Ouais, les animaux, c'est passif. Il y a pas de passif hein, sur les tenues. Hein. À quelle heure tu te cannes ? Je sais pas, demain, je sais pas encore, les gens, on verra. Je vous tiendrai au courant. T'invoques ? Non, j'ai que 60 DS. C'est la crise. Tu veux un don ? T'as des persos, toi. Quoi, j'ai des persos, j'ai vu que Goku, c'est tout, hein. Après, j'ai rien eu. 800 DS, j'ai rien, moi. Je merde. Mais ferme-la, t'as fait 800 DS sur ta globale, t'y joues jamais à ta globale. Qu'est-ce que tu racontes ? T'as encore 1000. Global, j'ai même pas invoqué sur la globale. Ouais, mais tu vas invoquer sur la Jap. Mais j'ai invoqué sur la Jap, pas sur la globe, mec. Je m'en bats les couilles de la globe. Regarde dans ton vestiaire, après, y'a des passifs. Ah bon ? Attends, on va aller voir deux suites, hein. Ah ouais ? Apparemment. J'y vais de suite, hein, regarde. Ah putain, je peux pas, on est en matchmaking. Alors attends, j'annule le matchmaking. On va voir. Cool, merci. On va voir s'il y a des passifs, les gens. Sur quoi, des passifs sur quoi ? Équipement de combat, du coup, c'est ça ? Donc imaginons, on joue attaquant. Détail. Non, on s'en fout. C'est où que vous voyez le passif marqué sur les tenues ? C'est où que vous voyez passif ? Ah si, compétence. Accélère. C'est un triangle ? Ah ouais, si, c'est ça, c'est ça. Accélère le chargement de la jauge de technique secrète. Augmente la durée des altérations d'état subies par les ennemis. Ah, oh, il y a des... C'est pas expliqué, ça, aussi. Hein. Pas expliqué, ça. Améliore vos ninjutsu pour qu'ils annulent des ninjutsu ou des outils ninja ennemis à l'impact. Améliore vos ninjutsu... C'est les techniques, les... Ouais, c'est ça. Tu vois ça, toi ? C'est cheaté, ça. Ah j'avoue, c'est abusé. La tenue de base des lignes, ok. Réduit la durée des altérations d'état que vous subissez, ok. C'est dans quoi ça, tu vois ça ? Réduit le délai de la récupération de l'esquive, de la permutation et des techniques de clonage. Le bas de Sasuke 2. Comment on fait pour l'obtenir, l'astre divin, putain ? Ouais, mais après, ton personnage, il est dégueulasse. Surtout, ne me remercie c'est pas. Non, mais... Ouais, GG à vous. Non, j'avoue, GG à vous, parce que... Ouais, améliore vos ninjutsu pour qu'ils annulent les ninjutsu des outils ninja à l'impact. En gros, ça c'est quand tu fous Sasuke. Hein. Tu fous Sasuke, t'améliores tes ninjutsu, ok. Améliore le chargement de la jauge de la technique secrète. Ben, oh putain, déjà qu'avec Kakashi c'était amélioré, alors là. Ah non, mais c'est. Ah ouais, mais attends, faut le savoir ça aussi. Ah, fallait le savoir, hein. Ah, Tema, ça là. Augmente votre puissance d'attaque au corps à corps, mais seulement pour le premier coup et. Réduit le délai de récupération
de l'esquive, de la permutation et des techniques de clonage. Ah oui, non, mais en gros, c'est le deuxième truc, ok. Ok, ok. Ah, c'est cheaté, quoi. Bon, on va jouer comme ça. Hein. Alors là... Apprends le jeu avec le jeu. Alors là... On y va comme ça. Il y a un truc qui augmente tes PV max aussi. Ouais, non, mais j'imagine, ouais. Mais attends, tu sais qu'ils l'ont expliqué nulle part dans le jeu, ça, qu'il y avait des passifs sur les tenues, hein. Il n'y a pas un endroit où c'était expliqué, hein. La coupe de cheveux va pas avec la tenue. Ouais, c'est eux, mais bon, si malheureusement, quand tu vas en PVP, t'es obligé de prendre une tenue particulière pour optimiser tes dégâts et tout, ben voilà. Sur Xenoverse, ils l'ont changé, ça. Ouais, sur Xenoverse, ils l'ont changé, ouais. T'avais le truc... Ouais, mais bon, pour Xenoverse, il a quoi, il a... Ça fait 2 ans qu'il a, maintenant. 2 ans. Ouais. Ça, faut peut-être attendre, je sais pas. Ouais, vous êtes prêts, du coup? Moi, je suis ready. Ouais. Ok. Bad Sasuke... Encore? Et puis, il est parti se Bad branler Sai, tenue de guy. Maquillage. Wow. Enfin, je vois ton live. Bah, Prolox, ouais, bah écoute. Oh, bas du sable, couleur 6. Écoute, écoute, bienvenue, hein. La tenue, on dirait Kirito. Hein. Ah bon, bah, Kirito, il a pas cette tenue, qu'est-ce que vous racontez? Ah, quoique, ouais, vite fait. Vite fait, un petit peu, hein. Moi, je joue Taijutsu, combinaison de Gaï, ça fait mal. Taijutsu, c'est quoi? C'est les attaques au corps à corps avec le carré? Je suppose. On va aller voir. D'ailleurs, je viens de la débloquer, la tenue de Gaï, on va aller voir. On va aller voir. Équipement. Le best, c'est un meilleur vos ninjutsu pour qu'ils annulent des ninjutsu ou des outils de ninja ennemis à l'impact. Réduit la durée des altérations d'état pour que vous subissez. Augmente vos PV max. La tenue de Gaï couleur 4. Ah, en fait, par rapport à la couleur que t'as aussi. Moi j'ai la couleur 4. Donc c'est augmente vos PV et accélère le chargement de la jauge de technique secrète. Et l'autre augmente la vitesse de déplacement des ennemis tant plus facilement. Même les lunettes de mon vieil là, elles font des trucs aussi. Ah, c'est stylé. Ah, j'avoue, la tenue de Gaï, elle est pétée de ouf. Là, attends. Et tu sais que même sur les accessoires, il y a des compétences. Non, mais c'est là. Je viens de te dire. Ah, sur le masque de. Comment en fait, pour voir ça? Tu vas sur les tenues et double triangle sur les tenues, ouais. Réduit le délai avant votre apparition. Ah oui, d'accord. Le masque de l'embout. Voilà. Ah, c'est abusé. Ah, augmente les dégâts infligés par vos ninjutsu ne s'applique pas aux dégâts infligés par les altérations de temps. Oh, c'est quoi tout ça, mais sans déconner. Ah, les lunettes, elles sont cheatées, hein. Augmente grandement la puissance d'attaque au corps à corps pendant un court instant. C'était pour ça qu'on s'est enculé. Bah oui. Non, mais du coup, on va jouer dégueulasse, hein. On va jouer comme ça, hein. Oh, et la tenue de Mitsuki, elle a 2 passifs. Oui, mais c'est normal. En fait, c'est des tenues, donc c'est normal. En fait, quand c'est des tenues, tu sais, ça prend la partie en haut et la partie en bas. Ah, attends, moi j'essaie de... Comment il s'appelle ce point? Ça, c'est pas mal pour briser les dégâts plus ennemis en l'air. Augmente vos PV max, accélère le chargement de la joue de technique secrète. Bah, c'est pas mal, on ça, va faire ça. On va faire ça comme ça, dès qu'on sera au bord de la mort. Ah, et ouais. Bah, par contre, après, t'es obligé de jouer. Ouais. Entre, du coup, vu que j'ai pas augmenté le type. Le type corps à corps, j'ai pas de technique. Bourrasque de Konoha. Ouais, tu vas voir la bourrasque de Konoha. C'est nul, non? Ah, ça pue sa grand-mère, mec. Mais y a ah, pas c'est juste le coup de pied retourné là. Oh, ah, ouais, c'est ça. Invocation. Oh, Naruto, ça pète des mères. Venez, on prend tous Naruto, on va gagner easy. Oh, depuis que j'ai Naruto, je fais S et je suis premier. Ouais, j'avoue aussi. Pas besoin de personnage. Hein. Vas-y, commencez là, j'ai envie de jouer à PES. Ouais, go, allez, on fait une petite dernière du coup. Non, on n'a pas d'informations par rapport aux 50 DS qui vont être donnés sur Dokkan. Y a pas. Pas pour le moment. Tu donnes quand tu veux. Mais quand ça arrivera, ça arrivera. J'aurai 110 DS du coup. Presque 150 pour faire un cycle sur Freezer. Ouais, faut que je chope Freezer aussi. Non, j'ai lancé un truc rapide, merde. Quitter le matchmaking. Ah non, on va pas faire du matchmaking normal là. Ranked direct. On va aller aux États-Unis faire de l'e-sport. Viens, on ouvre. Aussi, c'est que tu regardes, il y a 4 modes de jeu, il y en a que 2 qui sont débloqués. Ouais, aussi. Vous êtes chaud, on fait une gaming house Naruto Shinobi Striker. Stylé, non? En vrai, ça a marché, hein. Ah. Alors, comme ça, Lina, on aime les remboursements, hashtag Kibiki. Bah ouais, c'est moi qui suis venu en parler, hein, sur le live, vite fait, Prince Egan. Mais tu sais que j'en parle régulièrement sur mes lives, hein, du fait que je croque la pomme. Et heureusement que je le fais, hein, comme tous les utilisateurs iPhone. T'as cru que les autres ils le faisaient pas là, tous ceux du Dokkan Game ou quoi?
Eh, tu te mets un doigt dans l'œil, hein. Il y a même des techniques bien plus sombres que ça au final. Je te rassure. Hein. Ah, t'es pas prêt toi. Hein. Il y a beaucoup qui assument pas là-dedans alors. Hein. C'est clair. Parce qu'en soi, ça c'est que dalle, hein, le fait de faire du remboursement. Vous, ça vous change rien. Nous, ça nous permet d'économiser aussi avec le nombre de DS qu'on fait. Enfin, le nombre d'invocations plutôt. De DS qu'on dépense. Mais il y a des techniques bien plus sombres que ça ou tout ce que vous avez connu avec les Philippines. Hein. Vraiment. Hein. Je me prostitue pour DDS. Moi je vais bientôt faire pareil. Vu que maintenant j'ai le message. Salut Nathaniel. Salut salut. 666 sur le live. Est-ce que c'est un signe? Enfin, je vois sur la... On va perdre. Non non on va pas perdre. Bon ça va en face. Ah ils ont deux attaquants déjà. Avec tu joues en défenseur là. Kizame. Hein? T'es avec Kizame là? Ouais mais il fait mal. Ah ok ok, non non mais... Je croyais que tu voulais jouer attaquant. Je le savais ça. Non non non. Attaquant, je... par Naruto... Putain ils vont trouver là les deux derniers bonhommes. Oh, en plus il est en niveau 6, c'est maintenant. Ah, j'ai déjà tout ce qu'il faut Rémi, hein. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Hein. Au niveau des Sims 4, ah, j'ai pas mal de DLC. Hein. Merci Prolox, c'est gentil. Hein. Putain, le mec qui était avec nous, il s'est barré. Ah non, sérieux? C'est toi qui savais pas qu'il était avec le meilleur youtubeur. Hein. Ah, il savait pas ça. Ouais, demain il y aura peut-être un live, Stéphane. Je sais pas encore, peut-être. Dans la logique, oui, mais on sait jamais, hein. On sait jamais. Un dinosaure apparaît, j'en sais rien. J'ai un accident de fauteuil. Enfin voilà. On n'est paré à aucune éventualité. Hein. T'es le meilleur YouTuner. Merci Dani. Je suis le meilleur YouTuner alors. Merci à toi. Qui vient de Bordeaux? Certainement pas moi. Il y a le masque de Kakashi. Je crois qu'il y est, ouais. Je crois qu'il y est. Vine mon chat mort, on gagne. Hein. Ah là, on gagne direct. Allez, Susucré. Compte sur toi, là. Ouais, putain, il vient de sortir des figurines encore de prendre. Les donations, les donations. Oh là là. Allez. Voilà, là, j'ai sorti une figurine Luffy contre Katakuri. Mais genre, la figurine, elle est dans une boîte, en fait. Dans une boîte comme dans l'espace où ils se sont battus dans le manga. Ah, dans le truc des miroirs. Ouais, c'est incroyable. Non, j'ai pris Kakashi. Putain, j'ai pas pris mon perso. Elle est à 370, je crois. Je me suis dans une tête. Elle est incroyable, putain. Je sais pas quel jour j'irai à la PJW, mais je pense que je ferai 4 jours. Hein. 3-4 jours. Enfin, genre, j'irai 3 jours et voilà. Il y a des gens qui vont à Miami, d'autres à la PJW. Ah bah ouais, on n'a pas tous les mêmes fonds, hein. Allez, oh, oui. Oh, t'es mort. C'est Deidara en face. Ouais, il y en a, il a utilisé un dessus de Deidara. Ah, il nous a envoyé, moi et le gars avec lui. Pim. Ils ont un healer, hein, qui se cache. Et boum, on l'a transpercé, là, le Jason, là, je sais pas quoi. Ouais. Ah, oh, il a pris le rouleau ce bâtard, ah, justement. Deux contre toi. Ah, deux contre toi, c'est pas grave, Meurs pas, Ouais, je suis couvert. Et le chaos. On les défonce là, non? Oula, j'ai failli tomber dans le vide. Et y'en a, ils volent. C'est Et le chaos! On les enchaîne là! Ah, Naruto, ils font Rasengan, ça lâche la map pour les taper l'adversaire. Avec Kakashi, c'est pareil avec son île d'oiseau là. Oh, c'est n'importe quoi! Ah, c'est cool! Et la dernière, on les gagne. Là, le rouleau. Ah, j'y vais. Il y a un mec, il a pris. Bien. Quel connard, non, mais je suis ta mère. Ah, il m'a paralysé ce coup. Ah, par contre, c'est chaud d'aller l'attaquer en bas là. Oh, y'a Conan là! J'ai tombé. Ça bug! La caméra! Ah, c'est le healer! Ah, on le défonce, le healer!
Boum. Oui, j'ai mangé un. J'ai mangé cher là. Oh boum. L'ultimate est passé. C'est mourir. Touché. Touché. Oui. Ça bug là, non? Non, il est KO, il est KO. Ah, il aura en reste deux, je crois. Ah, touché. Je vous envoie une ultime. Ah, mais je l'ai pas. Allez, on le défend jusqu'au bout là, le Jason. Ah putain, il a un heal. Oh, le Kirin, normalement il le tue. Ouais, nickel ça. Nickel. Grosse victoire là pour terminer là. Grosse victoire. Est-ce que si je vous dis que vous êtes encore premier, c'est. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Et pour, si tu premier, tu perds tous tes dons. Mec, ça fait 3 fois d'affilée que vous êtes premier. Oh. Et allez! Allez! Oh, et vive! 60, et vive! Qu'est-ce qu'il y a là? Allez, la chatte à Mirek. Eh non, rien du tout, la chatte. Mec, j'ai mérité. Hein. J'étais là, j'étais en place. Chatte à Mirek, quoi. Attends. On est là ou on n'est pas là, quoi. Bah, je l'ai pas acheté, Prolox, le jeu. Hein. Je l'ai pas acheté, hein. Ah, en vrai, il est stylé le jeu, non? Eh, quand on gagne, c'est pas tout de suite plus marrant quand on gagne? Non. Non? Toujours pas? Non, j'avoue, en vrai, c'est pas plus marrant. C'est pareil. C'est un peu mieux, mais bon. Oh, la promotion! Votre note vient d'augmenter en division 1, du coup. Banal, quoi. Pouloulou. Achetez ce jeu, il est trop bien. Ah, rouleau banal aussi, ouais, pareil. Rouleau banal, il coûte combien? Je sais pas, il doit coûter 50-60 euros, un truc comme ça, hein. Une bêtise dans le style. 70? Ah, c'est... Non, ça c'est à la Fnac ça, 70 euros. Hein. En vrai, quand vous achetez un jeu vidéo, les gens pensaient à ne surtout pas aller à la Fnac ou dans un magasin spécialisé type Micromania. Allez dans les grandes surfaces type Leclerc, Carrefour ou Auchan, vous allez payer les jeux 55 euros au lieu de 70, voire même 49 euros, donc bon. Autant aller dans les grandes surfaces plutôt que dans les enseignes spécialisées, hein, clairement. Hein. C'est beaucoup moins cher. Et en plus, vous pouvez avoir les jeux à l'avance. Donc bon, quoi de mieux. Sur ce, eh bien écoutez, comme on l'avait dit, c'était la dernière partie. On va terminer ce live ici. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à mettre quelques pouces bleus. Je vous laisserai la rediffusion de celui-ci. Merci à Susug, merci à Maxime d'être passé jouer. Et puis voilà, on termine ici. Des bisous à tout le monde. Encore merci, bonne soirée à tout le monde. Et on se capte demain certainement pour un nouveau live d'Okan ou autre. Et en attendant, eh bien bisous, bisous à vous. Merci Susug. Est-ce que tu veux dire un petit truc pour la fin? Même si j'ai déjà mon idée, mais je t'en prie. Ah ouais, ok, très bien. Bah, mais va te faire foutre. Non, attends, écoute. Ce qui est bizarre, c'est que c'est que avant Susu trouve le jeu que c'était de la merde et après il trouve que le jeu est trop bien. Putain, mais frère. Mais c'est pas possible. Demande à ta maman qu'elle te rende la moitié de son cerveau, frérot. C'est grave, ouais. Et apparemment, Maxime, t'as la même voix que Fornax. Apparemment. Ah, skip. Ouais, mais je trouve pas du tout. Hein. Alors là. Merci, Merki, c'est gentil. Merci à vous, les gens sur le chat. Merci à tout le monde. Bisous à vous, mais bonne soirée. Fornax. Et à plus tard, merci encore.